Connectez-vous. Bonjour, bonjour. Sister Angola is there. Sister Angola est dans la place. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je vérifie que j'ai bien la notification. Oh oui, j'ai la notification. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je vérifie chez moi que le son est correct. Bonjour, faites-moi signe, dites-moi que vous me recevez, que le son est bon et que l'image est bonne. Il fait tellement chaud que... Bara sewa ibara baba ibara mama comment? Voilà, hop. Bonsoir ZTS, ça va? Est-ce que l'image est bonne chez toi là-bas, Yayadmi? Est-ce que le son est bon là-bas? Hein? Dis-moi. Formin, Rewan, toutes mes salutations. Je vérifie que chez moi aussi c'est propre. Hein? Ah, mais on reçoit 5 sur 5. Bonsoir, Paul Syriac, c'est ma poro. Parce que moi, j'aime pas faire des lives sur la Wi-Fi. J'aime pas faire les lives sur la Wi-Fi. Donc voilà. Moi, je préfère directement sur la connexion. Jan Loco, Melcon, Bani. Moi, je blague pas avec les marabouts de malheur, là. Moi, je bannis tout de suite. Un marabout, non, on voyait un bingango. Donc, moi, je fais le live directement sur données mobiles. Hein. Connexion, ça n'y a 4G ou à 5G, miso. Et j'aime vraiment que l'image soit propre. Parce que la Wi-Fi, pas trop confiance, surtout avec tous les orages qu'il y a ces derniers temps-là. Beaucoup d'orages. Ah, la nature dit que l'image, c'est bon, ma soeur, c'est tranquille. Ah, merci. Ok, donc à la Kangbi, Nima, Bikambi et Kangbi, là. Mais attends un peu. Il peut mouf, quand il y a la Aquapembe, comme il y a Kangbi, Natcha, groupe, Nando, Tchapage, Bani, Bani. Il doit chauffer un gangou, mais il doit s'y adapter. Il doit s'y adapter à la température, à la climat, à la quoi. Donc, Bikwembi, qui ni ça, ni là. Geoffra Balou, mes salutations. Bikwembi, il y a Kangbi là. Il y a Kangbi là. Parce que c'est vrai que. Doua qui mingi, mais il y a quoi il te à la colle après la colle après tu viens débardeur tout ça même si débardeur là mais bien c'était t'es même là tu vivais sans domiso à la colle à la gande il y a quoi les quoi en gande ils ont dit que tu quand tu n'as guéri on sort la cassaille tu tiens la sort la capte la cinq et quoi on vous pardonne on vous excuse mais bon je ne voudrais pas prendre de risque donc j'ai quand même une veste sur ma robe. Parce qu'il y a qui nous manche. Le son est bon là-bas. Ok. Donc, bien vérifier notre téléphone si il est en saut, c'est quoi. Et puis, comme il est partagé. Donc, partager, inviter les frères et sœurs. Bonjour, Prisca Roselyne, ça va? Est-ce que tu me reçois proprement, correctement là-bas? Je suis en train de partager dans différents groupes et sur des pages. Il était en ligne ici, au moment donné, un chauffeur, on se met ici, veste. Parce que peut-être tu dis souffrir, natif, veste, attention, machine de wap, pepe. Mais néanmoins, c'est important de ne pas faire tomber les frères et les sœurs. T'as la petite cam, t'es de lui faire tomber dans la tentation un peu. Je suis en train de partager. Prisca me dit 5 sur 5. Thank you very much, my sister. God bless you. Je suis en train de partager massivement dans des groupes, etc., etc. Il est 19h, comme je suis à la maison toute cette semaine, donc... je profite de framponner avant de faire une bonne pause. C'est tout généralement quand c'est l'été comme ça. Parfois, Bissat Nikalev va jusqu'à septembre. Donc, il se peut que peut-être d'ici juillet, il stoppe qu'était. Donc, voilà. Je suis en train de partager comme ça. Qui va se négliger? Moi, je suis tombée depuis. Depuis, comment faut partager? Tu es tombée où? Tu es tombée où? Noah Mingya, parfois ils y fenêtre ni c'est pire, parfois ils y kangani, bon c'est plus hein. Bon, je suis tombée, tombée comment? On t'a l'onjon ici. Ils ont lumière sur Kazagambana.
Un peu de lumière peut-être, hein, mais baisser lumière les bas. Voilà. Là, c'est un nouveau téléphone. Donc, je tiens à ce que l'image soit propre. Fini téléphone là. Je partage sur les cours magistraux et sur les deux autres pages. Donc, c'est très important. J'ai tellement de pages, j'ai tellement de groupes dans lesquels je suis que moi, je partage. Hein. Moi, je ne vais pas faire un live où il n'y a que deux partages, quoi. Non. Moi-même, je parle jusqu'à 50 partages. Si, de toute façon, la voilà, la donné, ta, merci. Partagez massivement, invitez les frères et sœurs, partagez en privé. Le tourbillon fini, profil là, le tagimbi, le hey, pas le dire, le sorti chez Gega, mais je ne sais pas qui est derrière. A tes soyez. Ah bon, merci ma tourbillon. Soyez. Guinée la soyez. Fini téléphone, là, mais testé, on a capture d'écran, il n'y a pas de capture d'écran, là, oh. Donc voilà, tourbillon, faut partager. Hein? Il faut me vérifier de ta téléphone, de ta tablette, il faut me blaguer, mais me coucou, quoi, je connais Ningi. Mais tout ça, j'arrive toujours, il faut me donner déjà écran, Bon, tablette, là, Lisa de côté. Je tiens vraiment à ce que ce soit propre. Voilà quoi, Marie, soyez. Ah oui, partagez. Je partage sur d'autres pages encore. La page à Ningi, soyez géré, et ça, tu quoi? Dinga pourquoi il t'a dit que ça lève quand déjà compte soit vous voulez vous imposer en communication et des pages et non des comptes seulement et des pages ça va vous propulser mais vous faites des lives sur des comptes je me dis que c'est pas possible. Oh Terence Lia c'est toi qui a changé c'est Lia parce que j'avais drapeau chip pas Chimankala dis-moi si c'est toi mais pourquoi tu as changé. Ah, les coupés, mais ils sont ligués ici. Ils m'ont sonné deux fois, ma chère a écho. Si tu as gardé le drapeau, c'est que c'est toi, mais. Ils m'ont changé, un manga, le tourbillon. Ils m'ont dit, papa, il n'y a pas passé. Tu es référendum, ni là. Ils m'ont tourbillonné, les oiseaux. Ben, partagez, convoquez les gens. Je suis en train de partager comme ça. À page, n'a compte, n'a ondoni. Invité, nous sommes à 34, c'est bien. Non, ce n'est pas un nouveau compte. Oui, je sais, c'est pas un nouveau compte, mais c'est Terence Lia à dire que c'est ton même compte, mais tu as changé le nom de ton compte. D'accord, ok. Bon, on a des tourbillons, mon essor. Tu vas nous tourbillonner à gauche et à droite. Hein? Il ira de mon monsieur Constitution, parce que moi, il y a un et puis il y a un bravo. Dites-moi si Mimi Gowal, est-ce que c'est bien? Je pense pas, hein? Non, on va laisser la lumière comme ça. Allez, invitez les frères et les sœurs, nous allons parler. Les thèmes sont là-bas. C'est bien toi, heureusement que tu as laissé le drapeau parce que sinon je n'allais pas te reconnaître. Tu m'as tagué sur un live là-bas d'un compatriote, là, je ne sais pas ce que je pouvais aller écouter là-bas, mais bon. Peut-être on veut famille d'Atinandia. Hein. Juste à cause de dérangement de la famille. Mais comme mon tenezo, elle a dit qu'on est là. La famille Terence Lia, à la mère de Mingé, il a échangé Eric Nénison. La famille quoi, ma ouais. Envoyez beaucoup de pouces, de cœurs, envoyez des étoiles. La famille, même moi ouais. À la mère de Johnny. À la mère de Mingé. À la mère de merde. Je suis en train de partager comme ça. Hop. Je partage. Voilà. Oui, biper à famille, c'est important. Touk. Bonjour, Kosner Doua, Damoano, mes salutations. Je suis en train de partager. Hop. Quand il y a besoin de Nata, il fallait me faire signe. Moi, je sais pas, mais bon.
Voilà, Zenengata dit que tu as abonné mon icapé, moi je sais pas, moi, je comprends pas. Hein. Hop, voilà. Mes salutations, Mikaya Kangam, ça va? Allez, pique à Bioko. Il fait chaud. Bonsoir, bonsoir. Bon, le nom là est écrit, je sais pas si c'est en russe. En tout cas, c'est possible. Bonsoir Lionel. Bonsoir Hitman délégué. Invité. Papa, Timmy, l'amour, c'est maman. C'est ma peau, partagée, invitée, Syriac, invitée. Merci, Michaela. Ça va très bien également. Olga Dharma, welcome, mes salutations. Yaouali, invitez les gens. Yvette, maman, soukoula, monte, malayo. Maman Dora, bonsoir. Partagez, invitez. Osira que me dire la sauce. A que Benachine, à que vous qu'on a couru. Bonsoir, Florence Cyclèze. Ça va? Envoyez beaucoup de pouces, de cœurs, des étoiles. Bonsoir Maman Dora, bonsoir ONG Yanounou. Envoyez des étoiles. Envoyez beaucoup de pouces, de cœurs, des étoiles, des likes et partagez. J'ai partagé peut-être même, je ne sais pas combien, je vérifie. Pourquoi j'ai partagé, hein? Moi, je n'attends pas, mais en tout cas, j'ai partagé. J'ai vraiment partagé, partagé, partagé. Publicité Nachi, bien mis, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est YouTube, hein. A que belle Nachi, a que vous qu'on a coré, Hitman. Gagnez la baba. Partagez. Bonsoir Frédéric Cœur pour rien. Invité, invité, invité. Pompez, pompez, pompez. A que belle machine, à que vous qu'on a couru. Alors invité à zo. Et que pique à la notia, à la là. Hé hé. Pique à notia. À terroriste. Mon salami n'a pas si. Bien ti langong ba o souci ki moué. Bien samba ba ti glisse la souci. Eh, vango. Chérie, chérie langa. Eh, oh, 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 oh. Gou bala kwa ke lango bala kwa fe maman. Bonsoir le grand Nico. La jaja, ça fait longtemps. Shalom, shalom, paradis. Un truc de seconde, j'arrive. Voilà. C'était pas loin. J'aime beaucoup le vert.
J'aime beaucoup le vert. Yvette, maman, soukoula mote malayo. Claudio. Aguasna morga peu. A bipon d'abet les éclairs. Morga mousso peu. Et binik bingo. Femme qui est France et femme qui est jolie, je vais vous têter ce soir encore. Bonsoir Jonas Nzoko, compagnon du Chege. Mes respects. Ah, tu reviens du pays, la Jaja. Ah, c'est très bien, bravo, ça fait du bien. Il faut parfois repartir à la source. Bon retour, ma chérie. Notre belle-sœur. Merci beaucoup. Ici, il n'y a pas d'appel tant que je n'ai pas décrété le moment d'appeler. Ici, c'est faisons le live autrement. Le président, c'est après, c'est moi qui fais le live. Je sais que vous aimez trop votre président, notre papa. Mais quand même, non, la rose. Banana, ici, Bama. Ah oui, merci beaucoup. Blaise jusqu'à, ça fait longtemps. Hein? Guiné, la baba. Allons-y. Let's go. Jeff Kota Bamara, bonsoir pour nous le thème d'aujourd'hui. Ah ben si vous savez écrire, je suppose que vous savez aussi lire, hein. Le thème, il est là-bas. Je prends mon temps pour l'écrire. Donc un peu de respect, lisez s'il vous plaît. Merci. Je prends mon temps pour écrire, c'est pas pour qu'on me pose des questions après, hein. Je suis très 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 ordonnée. Le thème, il est là. Merci. Il m'a bien gagné encore. Bonsoir aussi Salomon. Les étoiles, envoyez. M'envoyez Pépé, Ivy. Betty bien bâti et mon ascent, mon sang. Merci ma chérie. Encore le foin a sorti. Et Pépé. Bétine bien bâti et mon accent. Mon gré pépé et au kiwi. Bétine bien bâti et mon ou mal dit mon kiwi. Claise, noir la rose, les autres, calmez-vous. La photo du président n'est pas une obligation. C'est moi qui fais le live. Ce n'est pas le président Toadera qui fait le live. Si vous voulez voir le président en live, ce sera ce samedi. On est dans ma cuisine. C'est moi qui commande. Ma photo d'abord, ma tête d'abord et le président après. Donc, mais qui a parti du collègue mi vangu son billet kalomingi son. Il recommence. Partagez, invité. Parti sur là. Le thème c'est écrit, s'il vous plaît, apprenez à lire un peu, le thème est là-bas. Et apprenez à lire. Mon gré pépé, oh Ivy, Betty bien bâti et mon Ivy, mon pilier. C'est écrit, hein, le noir n'aime pas lire, vous me décevez. Et puis Biri, j'ai écrit, ce matin j'ai écrit. Ici c'est la rééducation. Mon enfant pour poto ivi mai. Mon bonjour Aligé Dongos. Partagez invité. Un goût idée, ivi chérie. Yon gouti de monde m'a toussé. Si t'as pas la bouche, ils vont te tuer. Ah, Salomon. Le noir. Oh. Bonsoir, Véronique.
Et tu viens bâtir mon ascension. Partager, partager, propager. Et voilà la clé. Et pour tout, envoyez. Monsieur Piri Maxime, mes salutations. C'est ça, réponse musclée, très très musclée la guinée après. Apprenez à lire. Faites monter la température, il fait chaud. Ah. Invité, 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 invité. Bonsoir, Aaron Boone. Merci Yaché, toujours peindré. Qui va se négliger? Le monde entier nous regarde, on ne sait jamais. Azwa que baï. Aïe, Nénia que baï, fait aveuglazo. Maman, moi dans la place, c'est Marguerite Congossienne. Toutes mes salutations. Voilà, trop de publicité sur YouTube, mais bon. On n'est pas là pour subir la publicité de YouTube. Alain Vitazo, de qui a parti, touche encore les goûts, ça, ouais. Et puis c'est bon. Merci, partagez encore. Mon bébé. Il le faut, Olivier. Sinon, vous êtes la femme. Qui garde ma peau, ça me tient là. Mon grand pépé, oh Vivi, Betty Miamba, tu es mon Ivi, mon kiré. Bonsoir Ludovic Mokoko. Invité. Ina mouma mou papa, Zambé ya ya, Ingo Seman. Betty Miamba, tu es mon à 100%. Biguena Potoro, Ivima, mon âme toi. Mon vrai pépé. Déjà, il y a dans le temps là. Ah oui, il y a un petit Wakasta. Yon Goutide. Ah, Yon Goutide. Merci Claise Irazo. Merci Évariste. Bah, regarde seulement de loin. Ah, ah. Bon, je fais rarement l'élève le soir, mais comme cette semaine je suis à la maison. Alors, je profite pour doser hein, avant de faire une pause pendant l'été. Parce que moi, tout l'été, hein, surtout juillet, août, parfois, je reste un bon mois sans live et puis je profite de mes vacances autrement. En tout cas, chaque vacances scolaires, moi, je ne fais pas de live. C'est très rare. Hein. Je n'ai pas la folie de faire des lives. Hein. La preuve, c'est notre 53e live en un mois et en un an et demi depuis que je suis en ligne. Donc, faites monter la température, invitez les gens. Il fait chaud, c'est vrai, parce qu'il fait lourd. Moi, pique à pied à caïmé, il n'y a pas de fraîcheur. Il n'y a pas de fraîcheur, mais on va devoir se concentrer et puis faire avec. Donc, comme I love me very much, hein, il faut que je m'envoie les premières étoiles. Est-ce qu'il y a des étoiles à envoyer là? Est-ce que mon panier d'étoiles est rechargé? Pas sur ce compte-là. Je vérifie sur le compte de Marie Poteau. Olivier, Yaoté, tout ça, faut envoyer les étoiles, hein. Voilà, je viens de m'en envoyer, là. Envoyer des étoiles, c'est très important. Envoyer des étoiles, voilà. Marie Poteau 50 étoiles pour tester que ça marche bien afin que vous puissiez copier l'exemple et faire pareil. Donc, envoyez des étoiles. Nous sommes aujourd'hui mardi, hein, mardi 20 juin 2023. Demain, c'est la fête de la musique. Donc, bonne fête à tous les passionnés de la musique. Demain, à Kebena, Chamena, Ville, tout ça. Donc, profitez pour sortir. Peut-être, je ne sais pas si c'est la Tour Eiffel ou... Non, c'est pas trop. Mais en tout cas,
il n'y aura pas de live spécialement pour ça, comme on a fait l'année dernière. On a fait un excellent live sur la musique. On avait eu aussi Blaise Blaise qui était venu ici. Et puis, c'était juste waouh. On avait fait, je crois, deux thèmes sur la musique par rapport à nos artistes centrafricains qui n'arrivaient pas à percer, qui n'arrivaient pas à aller au-delà des frontières. Pourquoi toujours tout ça. Et puis, pourquoi on est fond des artistes étrangers. C'était vraiment des bonnes émissions. Bon, nous voyons que nous ne sommes toujours pas encore prêts pour l'international, mais on espère qu'un jour, ça le fera par la grâce de Dieu. Donc, les thèmes. Je rappelle les thèmes du live en question. Peut-être que d'autres ne savent pas lire, mais au moins, ils peuvent écouter et puis comprendre. Donc, bienvenue dans notre émission « Faisons le live autrement ». C'est notre 53e émission. Nous parlons des thèmes suivants. N'oublions pas de voter oui au référendum constitutionnel. Là, c'est le 1. Le 2, soutenons toujours notre équipe d'Arsenal de football, les Fauves de Bazou Bongui. Ensuite, invité pour participer à un sommet sur le territoire français, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, tient à rencontrer ce samedi la communauté centrafricaine de l'étranger. Je ne veux pas dire de France parce que d'autres peuvent venir de la Belgique, de la Suisse, un peu d'ailleurs, mais en tout cas, je dis seulement de l'étranger. J'espère que ceux qui n'ont pas pu lire ont au moins pu entendre, ont pu écouter, ont pu saisir tout cela en question. C'est à la Mouni et puis à la Sarah Narkwa. Donc, hop, le son est toujours bon, non, la famille? Vous êtes là? Je vois que Claise tague beaucoup de gens. Bravo, Itakmijouali, c'est très important. Que disent ceux qui sont là, là? Vous écrivez pas? Quoi de neuf, docteur? écrivez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut commencer? J'attends que vous, hein. Dites-moi si c'est bon et puis ben, on y va. Hein? Le son est parfait, d'accord? L'image aussi? C'est bon, on peut y aller? Le son, très bon, volume, ok. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Amandor a dit thank you, ok, vous êtes là. Merci de vous d'avoir signalé votre présence. Merci beaucoup. Tout est ok, merci aussi. Ok, d'accord, merci beaucoup, ma sister Olga Dharma. Bon, avant de parler des thèmes, je vais quand même ouvrir une parenthèse. Hein. Ah non, bon, non, ça rejoint aussi le thème 1 par rapport au référendum. Vous savez tous que le président Faustin Archange Touadéra, fin mai, a dit oui à la demande persistante de la population d'aller à un référendum constitutionnel afin de réécrire la Constitution. Donc, la population a insisté, le président a examiné, papa, on dirait qu'il était hésitant, on dirait qu'il ne voulait pas, on dirait qu'il craignait les choses, tout ça. Finalement, il a dit oui, fin mai, qu'il est d'accord pour que nous puissions organiser un référendum. Et donc, nous irons voter oui pour certains, non pour les autres, le 30 juillet 2023. Mais nous ignorons encore les conditions de vote pour les citoyens de l'étranger qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Donc, on attend à ce que l'ANE nous donne les conditions. Parce que beaucoup n'ont pas de carte d'électeur, beaucoup ne sont pas inscrits, ou d'autres se sont inscrits et leurs cartes sont encore là-bas à l'ambassade de France, de Centrafrique en France, ou bien dans les pays dans lesquels ils sont. Et il serait temps qu'ils aient récupéré si ça n'a pas encore été détruit, mis à la poubelle. Donc, je pense que l'ANE trouvera une solution parce que beaucoup posent la question « Ah, Niki est inscrit à peur, là qu'on y vote à peur, mais n'a pas Niki n'a pas sport ou a expiré, est-ce que niveau voté en dé ?» À la Pogi, oui, tag, bacha, oui, zo, baba, un E, à la Zanya, en zo, noir, on doti, andawe. Donc, vraiment, faites un effort de trouver une solution à ces frères et sœurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale d'aller voter. Hein, mais de façon à ce que vraiment, qu'il n'y ait pas de fraude, qu'ils ne viennent pas voter deux fois oui ou deux fois non. Donc, je pense que l'ANE trouvera une solution. Parce que beaucoup m'ont écrit, c'est vrai, ils sont inquiets. Je leur dis que
Je n'ai pas de renseignements là-dessus. Certes, je fais des lives. Certes, je suis militante du MCU. Mais le MCU n'est pas au-dessus de l'ANE. Le MCU n'est pas au-dessus de la justice. C'est l'ANE qui donne les informations. C'est l'ANE qui commande. Donc, nous espérons que peut-être le président qui sera là parmi nous ce week-end pourra nous en dire davantage concernant le vote de ceux qui ne sont pas inscrits sur voilà, les listes. Mais j'ai parlé pour tout le monde, hein, pas que USA, hein, j'ai parlé pour tout le monde, Je ne suis pas maître Mourouba, je ne bosse pas à l'ANE. Je dis simplement que si vous n'avez jamais voté, ben ça arrive. Hein, quand on vous dit allez vous inscrire, allez voter, d'autres me disent que nous on va voter en esprit. Eh bien dis donc, hein, votez en esprit. Merci pour vos prières, c'est très bien. Il faut poser l'acte, il faut aller voter physiquement. Parce que quand on fait le décompte, c'est pas en esprit, c'est des décomptes physiques. Donc merci pour vos prières pour le président. Merci pour vos prières pour le pays. Mais tout n'est pas spirituel, nous vivons dans un monde qui est physique. On décompte dans le spirituel, mais on le récupère dans le physique pour aller mettre dans les urnes. Donc j'ai parlé pour tout le monde. Donc voilà, moi je suis fière d'être inscrite sur la liste électorale. Je suis fière d'avoir voté à deux reprises le bon candidat. Et j'ai encore ma carte d'électeur qui est là. Donc moi j'ai pas besoin de me poser la question que, est-ce que j'irai voter. J'irai voter. Et bien même, j'irai voter oui parce que c'est pas un vote secret. Donc voilà. Et dans le même sens que le référendum, hein, donc vous savez que le comité hein, d'organisation au niveau de Bangui a été mis en place, hein, que le président a mis son choix sur le vice-président de l'Assemblée nationale, on apprend de M. Évariste Ngamana, comme le directeur national de campagne. Hein, vous voyez souvent les gens ils disent DNC, DNC. Ça peut être direction, directeur national de la campagne. Et donc, c'est lui qui est le patron là-bas. Donc, c'est M. Ngamana. À qui le président a confié la mission de pouvoir organiser son équipe de travail. Là, c'est uniquement au niveau de la RCA. Et donc, M. Ngamana aussi, hein, au niveau des différents pays, mais au niveau de l'Europe ici, a également transmis une partie de cette confiance du président-là à notre frère Dassira Marcelin, plus connu sous le nom de Madiba. Pardon, hein, très bien, un truc gris. Voilà, donc Madiba, au niveau de l'Europe, est celui qui a été désigné comme le coordinateur, on dit, je crois, coordinateur, bien coordonnateur, en tout cas, ouais, coordonnateur. Donc, c'est M. Dassira Madiba. Madiba, c'est son surnom, mais c'est Dassira Marcelin. Donc, on voyait beaucoup de pouces et de cœurs pour le frère Dassira Marcelin, qui est le coordonnateur. Hein, ici au niveau de la zone Europe. Ensuite, voilà, notre compatriote Dassira Marcelin a également été missionné afin de constituer son équipe de travail. C'est-à-dire qu'il est le coordonnateur, il doit constituer une équipe de travail avec laquelle il va travailler. Et donc, il y a plusieurs commissions, il a d'abord un coordonnateur adjoint et moi, nous, en force pas, c'est Dieu donné. Je ne vais pas tout vous citer, mais c'est là-bas sur sa liste, sur son compte, pardon, Facebook, vous pourrez voir dans chaque commission, les gens qui sont dans les commissions, etc. Vous avez plusieurs commissions et plusieurs Centrafricains ont également eu cette occasion-là de faire partie des personnalités désignées pour organiser le référendum. Donc moi, je suis de la commission communication. Donc, sans forcer, j'ai été désignée comme la présidente de la commission de communication. Donc, je remercie le compatriote Dassira Marcelin pour la confiance. Et je remercie également M. Évariste Ngamana qui a approuvé cela. Et je remercie également le père de la nation, le président Faustin Archange Touadéra, pour cette confiance. Je sais que pour la campagne présidentielle, j'étais aussi dans la commission communication. J'étais parmi, je crois, plusieurs hommes. Hein. voilà. Je n'étais pas à la tête, mais j'étais peut-être numéro 2 ou numéro 3. Cette fois-ci, pour la campagne référendaire, je suis la numéro 1 au niveau de la communication. Donc, bravo pour votre sista. On ne parle pas pour rien. Et en numéro 2, nous avons le frère Sema Poro Syriac, hein, animateur de la chaîne Sous les Manguets, qui fait aussi un excellent travail. Il est le vice-président. Je suis la tête, c'est vrai.
Mais Sriak Semaporo est le coup. Et s'il n'y a pas le coup, la tête, elle tombe. Donc le frère Sriak Semaporo est le vice-président de la commission de la communication. Le rapporteur, c'est le frère Mecheba Junior. Il est le numéro 3. Le frère Mecheba Junior, alias Yangandongo, bouche piment. Il est le numéro 3. Et vous savez également qu'il y a la tête, c'est vrai, il y a le cou, mais également les membres sans lesquels on ne peut rien faire. S'il n'y a pas les membres, le cou ne tiendra pas, la tête non plus ne tiendra pas. Et donc, je voudrais également citer parmi les membres, je vous donne les noms des membres de la commission communication. Nous avons Douaclé Patrick Anselme. Nous avons Damaï Romaric. Vous le connaissez, Roman Zelekassa, qui dit être le père des 12 apôtres. Hein. Il a réclamé la paternité des 12 apôtres et qui désormais est revenu sur le droit chemin, est revenu dans la République. En plus, nous avons le frère Alasbo Lapago Evariste, notre frère de Nantes infatigable, celui qui a mis Oro KO, celui qui a mis Oro mal à l'aise. Nous avons également le frère Yanga Kode Séverin. Hein, je crois que c'est aussi Kesne Séverin. C'est un frère qui va sous les laves des gens de l'opposition. Et puis, il écrit là-bas, il met des commentaires et puis il les contredit là-bas. En tout cas, lui, il n'a pas peur des opposants. Nous avons également Mandayen Senteur, alias Kasamongonda. Voilà, alias Kasamongonda. Alenga loko yanga chulo ake blague kape. Donc, Mandayen Senteur, c'est notre frère Kasamongonda. Donc, félicitations également pour sa nomination dans cette commission. Ensuite, nous avons le frère Keza Antoine de Londres. Hein, notre frère qui fait des lives, qui met mal à l'aise aussi les petits de l'opposition. Là. Voilà, lui aussi fait partie de cette commission en question. Nous avons également Banga Bingi Boris Kom, mais sans surprise, c'est Boris chef d'État. Comme le Koyanga l'a fait Lango Pepe, il est dans la commission de communication. Et pour finir, nous avons la sœur Ndiaye Aïcha. La sœur Ndiaye Aïcha sur Facebook, c'est sucre d'orge ou d'orange comme ça. Hein. C'est une sista qui fait des lives. Vous savez, beaucoup sont dans la majorité silencieuse, mais qui commence maintenant à sortir, hein, à sortir et tout. Donc, cette sœur en question fait des lives. Hein. Beaucoup l'on vient de la découvrir, tout comme moi aussi. Mais ça ne veut pas dire que soit elle soutenait pas ou était cachée, peu importe. Mais beaucoup étaient silencieux, maintenant décidé de sortir. Certains sont aussi des nouveaux soutiens, comme nous qui étions hier des nouveaux soutiens. Avec le temps, nous sommes là. Donc bravo à toute l'équipe en question et que le Saint-Esprit guide le travail qui sera fait. Parce que sans moi, personnellement, sans le Saint-Esprit, je ne pourrais pas travailler avec ses frères en question. Donc, que Dieu nous accompagne dans cette mission. Priez également pour nous. Et nous aussi, nous allons prier pour nous afin que nous puissions faire un excellent travail en matière de communication. Bravo. Voilà. Ah, j'ai vu Jonas nous a écrit un message là-bas de dessert hein, du Père. Bon, d'accord, bon, comme je ne maîtrise pas trop, mais si tu le dis... D'accord, toutes nos condoléances au frère en question qui vient de perdre son père, tu as écrit là-bas et qui est dans la commission. Bon, comme il ne l'a pas encore signalé en privé, donc voilà. Mais bon, ainsi va la vie. Donc j'en profite pour signaler à tout, pour dire hein, à tous ceux qui sont en deuil, toutes mes condoléances et que le Saint-Esprit console chacune de vos familles. Je le dis très souvent que la mort, c'est pour les uns les autres. Mais que Dieu vous console. Donc voilà. Et bon et heureux anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de juin. Hein, au mois de mai, on a eu beaucoup d'anniversaires. Maintenant, le mois de juin, bon, il doit aussi en avoir, certainement. Mais en tout cas, je sais que le 22 juin, c'est l'anniversaire de mes pasteurs, les jumeaux Yves et Ivan Castanou. Donc, bon et heureux anniversaire à mes pasteurs qui sont des vrais pasteurs, qui sont des vrais hommes de Dieu, qui sont des appelés, qui sont des apôtres et qui parcourent le monde entier pour faire ce que Dieu demande à des vrais pasteurs de faire à travers même leur écran et un peu partout dans le monde entier.
Donc, voilà. Ok. Ensuite, voilà, je ne voudrais pas oublier avant de passer. Hein. Hop, pour ça, c'est fait. Ça, c'était le point A. N'oublions pas le référendum. Ensuite, soutenons toujours notre équipe nationale de football, les FOF de Bazou Bangui. Bon, moi, je ne regarde pas trop le football en question, mais j'aime le foot. Hein. J'aime le foot, mais de la RCA, je ne connais pas trop, je ne suis pas trop. Mais ça demeure mon pays, donc nous devons soutenir les FOF. On était fiers derrière notre écran à regarder les FOF, tout ça. Jouer le match, tout ça, vraiment, RCA, RCA, le président est dans la place, le président est là, et là, et tout ça. Vraiment, en tout cas, le son était bon au niveau du Cameroun, au niveau international. J'ai dit, waouh, vraiment, Bangui, grâce au président Touadéra, on parle de nous un peu partout. Ça change des précédents présidents que nous avons eu, franchement. RCA Nandouzou, comme dit Kérosène, président Touadéra, Centrafrique Nandouzou. Et ce n'est pas lui, c'est qui. Après, vraiment, vraiment courage aux fauves, hein, et puis qu'ils continuent, qu'ils fassent encore plus que ce qu'ils ont fait. Et c'était beau de voir vraiment le président et quasiment tout son gouvernement, les centrafricains et beaucoup de gens aller les soutenir. Hein. Vraiment, c'était bien. C'est ça qu'on appelle le père de la nation. On soutient dans les bons et dans les mauvais moments. Et quand on part, on est positif, même si après ça... ça tombe autrement, ce n'est pas grave, mais c'est ça qu'on appelle le père de la nation. Merci à mon frère de Ndele Abdelaziz Chokoro pour les étoiles. Et ce n'est pas toi, mon frère, c'est quel frère encore? Ils sont rares. C'est souvent les sistas qui envoient beaucoup de cœur. Que Dieu te bénisse encore, mon frère Abdelaziz Chokoro, qui fait aussi un bon travail là-bas au niveau de la communauté africaine des États-Unis. Vraiment, il a acheté les t-shirts parce que je lui en avais offert. Parce qu'il avait, il m'envoie très souvent des étoiles. Et donc, moi, je l'avais envoyé pour lui. Et puis, il a porté. D'autres ont aimé. Il a dû en commander plusieurs pour offrir maintenant à d'autres. Je voulais ramener ça pour vous présenter. Mais j'aime pas quitter mon live là-bas. Si j'oublie ce que vraiment j'ai oublié. Hein, c'était pour dire que pourquoi ne pas se mettre en t-shirt là. Pour dire que le monde vers l'Australien, c'est maintenant et tout ça. Hein. Maintenant, c'est-à-dire ça doit changer. On doit porter nos t-shirts. Là, c'est une nouvelle ère avec le président Faustin Archange Touadéra. Welcome à notre frère, hein, guinéen, centrafricain, Fodé Sékou. Tu vas bien? Ah, j'espère que tu te portes à merveille de là où tu es et que la famille également se porte à merveille. Donc, c'est ça, il est infatigable, le président Faustin Archange Touadéra. C'est cela un père. Même s'il veut se fatiguer, il a l'obligation de se tenir debout pour pouvoir nous soutenir. Il n'a pas le choix, c'est comme ça. Quand parfois tu as faim, hein, tu as envie de dormir ou tu es fatigué, mais les enfants ont faim, les enfants veulent manger, tu dois te lever pour aller faire des courses. Et puis voilà, tu n'as pas envie, mais tu te sens obligé parce qu'il faut que les enfants aient à manger. Il faut faire les courses, il faut te lever et puis ben, c'est comme ça. Donc, vivons le nouveau Australien, hop. Les t-shirts, ben, vous les connaissez déjà. On va chercher une photo pour vous montrer, mais bon, c'est pas la peine. Hein. Hop, voilà. Le t-shirt, voilà. Hop. Voilà. Ça, ce serait bien aussi pour le référendum. Hein. Chez Gaëtan Visionnaire. C'est ça. Voilà. Et votre t-shirt et le kit, ce serait bien. Et puis, ça collerait bien avec ce que nous sommes en train de vivre. Donc, soutien aux fauves et bravo au gouvernement. Peu importe les dépenses du déplacement, mais ils ont fait du bon boulot. Ensuite, attends. Ce que j'ai déploré, c'est le comportement de la diaspora de nouveau. Franchement, vous ne cessez de nous faire honte. Mais si signal, Claise, pomper les pouces et les cœurs, c'est très important. Ce que j'ai déploré, c'est le comportement des Centrafricains, surtout de l'étranger. Vous ne cessez vraiment de faire la honte de notre pays. Quand je dis, c'est pas forcément en général. C'est que tu ne peux pas soutenir quelqu'un et après dire que tu es déçu et le dire en public. Tu peux parfois le dire dans ton cœur, même si Dieu il lit, même si c'est comment, mais c'est la déception. C'est-à-dire dès que le match finit, vous faites des lives et puis vous commentez pour dire que... C'est-à-dire c'est facile, hein, comme dit le pasteur Ivan Cassano, hein, ou bien le pasteur Wafo. C'est-à-dire dans la vie, il y a deux types de personnes, les acteurs et les spectateurs. Les acteurs se tuent, hein. Ils sont là-bas sur le... Ah, Michaela, 100 étoiles, la capture d'écran de ça.
Que Dieu te bénisse encore, Mikaela Kandan. Bienvenue, maman Anne Mino. Welcome. Moi, je soutiens le présent, toi, Dera. Chaque fois, on dit oui, mais pourquoi tu ne dis pas tes vérités en face? C'est quoi mes vérités? J'ai pas de vérité à lui cracher en face, hein? Oui, mais critiquez-le aussi un peu. Pourquoi j'irais le critiquer auprès de vous comme ça et puis en public? Même dans mon cœur, je n'arrive pas. Parce que même la Bible le dit, même ce que tu dis, même chez toi, même dans ton cœur, même comme ça, un oiseau peut le prendre, aller le transmettre là-bas à la personne. Non. Et ces mêmes personnes qui soutiennent le président de Toadera aujourd'hui, demain le critique en public, sont sous l'élève de ces terroristes-là, en train de dire, ce sont les mêmes-là qui sont levés pour dire pourquoi ne pas avoir pris de quoi des pierres de diamant, d'or, pour acheter ce match en question. C'est-à-dire, mais quelle génération pourrie! Mais quelle génération! Et c'est avec ces frères et sœurs-là qu'on est censé demain travailler. Voilà pourquoi j'aime ces vieux-là qui sont encore au pouvoir-là. Voilà pourquoi j'aime Monsieur Mwandika-là. Voilà pourquoi monsieur, tu vas faire des kits, tu nous verras en s'en là. Voilà pourquoi je ne suis pas dans un club de liveurs-là. Parce que vous êtes... Mais beaucoup sont pourris. Comment ils ont critiqué les footballeurs? Oh, tourbillon, merci. 99 étoiles. Ah, tout. Mais le 1 où? Il manque un. Ah, 99. Nicolas doit se gratter là-bas, hein, moi aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse encore pour les 99 étoiles. Nous sommes à 299 étoiles. Salutations, Diakonabia. On ne peut pas soutenir les fauves, on ne peut pas parler de corruption et de surpoids en public. Mais c'est malsain. Ça va vous poursuivre. Hein. Notez-les, hein. Ça va vous poursuivre ça. Les gens, la terre se rappellera. Que vous avez parlé de corruption par rapport à un match de football. C'est-à-dire quand vous irez pour être demain maire, député ou président, on saura que vous êtes des personnes qui aiment, c'est-à-dire au fait que vous aimez la corruption. Vous êtes vraiment des personnes, mais dangereuses. Comment pouvez-vous permettre de parler, d'acheter un match de football et vous demander à faire la politique ou bien la communication? J'ai regardé beaucoup de lives, j'ai eu honte de ce genre de comportement-là, mais franchement, cessez-le quoi. Et puis grandissant, ça ne se dit pas. Quand on parle trop, il faut éviter de faire des lives. Quand on dit que le président ne parle pas assez, parce qu'il agit. Les hommes calmes sont beaucoup plus dangereux que nous là, qui avoyons la fête. Mais ce n'est pas bien. Ah, merci Abdelali Chokoro, merci beaucoup. On est à 349 étoiles. Ami Boucher, 9 sur le déranger, mais quoi. Si je peux faire 50, attends, je vais faire hop. Est-ce que je peux personnaliser 51? Hop, hop. 51 étoiles. J'envoie de mon compte de Marie Poto. Comme ça, avec Mickaël, on va moins se gratter là. Merci beaucoup, Abdelali Choco, que Dieu te bénisse, mon frère de Ndélé. C'est bon, merci. On a 400 étoiles. J'aime les chiffres ronds. Comment on peut penser comme ça la corruption? C'est dangereux, mes frères. C'est mauvais. Et ce n'est pas bien. Même si nous, on oublie la terre sur laquelle vous marchez. N'oubliera pas. Et moi, je n'aime pas des gens comme ça qui parlent de corruption, là. C'est très dangereux. Très dangereux ce que vous avez eu comme esprit et c'est malsain. C'est malsain. Le président n'est pas comme ça. On ne peut pas le soutenir et puis parler comme ça, vigne de corruption et d'acheter un match avec quelques pierres de diamants et d'or. Mon Dieu, comme dit le président, le ballon est rond. Alors, ça tourne. Ce n'est pas grave. Courage aux fauves. On a aussi vu Macron aller soutenir l'équipe de France et puis perdre. Pas parce qu'on va se tenir qu'on va forcément gagner. Non, on peut perdre, ça arrive. Ça s'appelle le sport et l'esprit sportif. Hein. Même j'ai vu que Martin Ziguele, qui est habitué à perdre, a dit de ne pas se décourager. Il faut continuer à encourager les fauves. Vous voyez, c'est un perdant, c'est un éternel perdant aux élections présidentielles. Martin Ziguele, mais le mec, il a compris. Il a compris que ça arrive de perdre. Hein, parce qu'il est vice-doyen. Chez Gay Doyen, lui, il est vice-doyen. Hein? C'est ça. Dans ceux qui font des lives, vraiment, évitez ça. Évitez ça. Et puis, c'est très méchant d'avoir ce genre de comportement. Donc voilà. Ensuite, donc, que Dieu bénisse encore les fauves de Bazou Bangui et que Dieu bénisse le président Toadera lors de la situation en République centrafricaine. Donc là, c'est le point 2. Ensuite, le point 3. Le président Toadera, qui est l'homme de la situation, le
père de la nation centrafricaine, est invité à participer à un sommet qui se tiendra, je crois, c'est du 22 au 23 ici en France. Depuis 2019, il n'est pas arrivé en France parce qu'il avait d'autres obligations ailleurs, d'autres pays à visiter et d'autres chats à fouetter ailleurs. Donc, sur insistance des gens qui organisent la conférence, il sera là avec nous sur le territoire français, comme plusieurs présidents de plusieurs pays. Ils vont participer à un sommet en question. Je n'ai pas cherché à m'intéresser au thème de ce sommet, mais le lien est quelque part. Vous pouvez toutefois aller regarder cela. Et voilà. Mais ce qui m'a retenu, c'est que le président Padera tient, nous a dit, le père de la nation. Il a réclamé sa photo. Claire, photo permis là. C'est bon comme ça? Capture s'il vous plaît. Que sonna et les ministres, la place de la femme n'est pas que dans la cuisine. Donc voilà, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, le père de la nation, notre papa, il sera, c'est sur le nouvel ordre financier mondial. Ouh, mon Dieu, le nouvel ordre centrafricain. Donc le père de la nation rencontrera tous les centrafricains, centrafricaines, tous les ceux qui veulent en tout cas. Il y aura une rencontre citoyenne ce samedi 26 juin. Je crois bien que ce sera le 26, en tout cas c'est ce samedi 26 juin sur Paris. Il y aura une rencontre, mais pour l'instant le lieu, l'adresse de la salle ainsi que l'heure ne sont pas encore communiquées. Mais d'ici peut-être quelques jours, on sera au courant de tout cela. Bienvenue, Célestina, Célestia, maman. Bisous, ma sista. Donc, le père de la nation que beaucoup n'ont pas vu depuis 3 ans sera dans la place. C'est le père qui est là. Il sera dans la place. Et puis, Ake Benachine, Ake Vukona Kore, comme c'était le cas à Lyon en octobre, je crois que c'était le 12 octobre 2019. C'était juste waouh. C'était magnifique, c'était une belle rencontre, mais il a répondu aux questions, il a mis les gens même KO. Voilà, donc moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant quoi que ce soit. Je me souviens que beaucoup de frères et sœurs disaient que le gars solo qui est maï, qui est tenable, qui pose la question, qui est ingandé. Mais comme je vous ai toujours dit, une autorité demeure une autorité. Tu peux parler, tu peux gueuler, tu peux aboyer, mais dès que l'autorité en face, que tu le veuilles ou pas, quelque chose se passe en prophète, minute pour un pic, comme ça on dirait, quand c'était vraiment Dieu sur terre qui passait, quoi. Donc même Matongo, qui se croyait trop fort, là, Mac Landry Matongo, tu as dit, les gens peuvent parler, il n'y a pas d'adresse inbox, ce sera officiellement donné, nous on n'a rien, mais bon, on attend, on ne va pas Dieu donner, parce qu'on sera officiel, on pourra lancer ça aux gens officiellement. Dès que c'est donné, je sortirai pour en parler. Parce que même la fois dernière, quand c'était arrivé, j'avais fait une vidéo, j'avais donné le lieu, tout ça, bien. Je me souviens, c'était en 2019, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Donc, Matongo, beaucoup disaient que le gars, le King Aï, mais dans la salle, les gens prenaient le micro. Déjà, il a fait déjà sur le bilan de son mandat et tout ça. Et comme c'est aussi un fin stratège, le bilan qu'il a fait, je crois qu'il est resté 2 heures presque, en tout cas une heure quand même debout, à lire faire un compte-rendu de son mandat et tout, je crois même de 50 pages ou quoi. Le papa est resté plus de une heure debout. T'avais plus de questions. A dit le tegitelengi, ce qu'on était venu de dire là, de faire là. A mis un micro, même à Matongo. Il a pris le micro. Bon, il a parlé un peu, mais lui, il a dit que... ça tremblait comme ça. Le papa l'a mis KO en réponse. Ça a dit, oh! À Sarangana, onction pépé. Que vous le voulez ou pas, il a une onction. C'est comme ça, au fait. Qu'on le veuille ou pas, un président, reste une autorité, qu'on le veuille ou pas. Et maintenant, on rentre, on a dû faire une vidéo en route pour s'excuser. Donc là, il estime qu'il avait mal parlé au président. Mais après la vidéo, il est effacé. Mais quand vous me connaissez, maman a chonné façon. J'ai téléchargé la vidéo. Vous avez un gimmick basse en bessignan.
pas de quand tu as parlé au président, hein, mais quand tu es arrêté avec Orokpanda station essence pour faire une pause là, et que tu as demandé pardon là, j'ai ça. Mais néanmoins, il a fait beaucoup vu, et puis c'est pour dire que le pouvoir, c'est le pouvoir. Il y a puissance et il y a pouvoir. Quand on dit power, c'est power. Et même là-bas, à la fin, il y avait un papa là qui était venu, le parambi. Le père m'a beaucoup bien un gonjo. Est-ce que j'étais venu dire au président là, et que mon kanga n'est pas tani. Parce que j'avais été désigné sans qu'à prévoir, j'avais été désigné pour prier. Je n'étais même pas sur la liste de prières. Apparemment, ils voulaient prendre, je ne sais pas, un imam, un prêtre et un pasteur. Donc, trois personnes pour prier. Les gens trouvaient que non, ça allait faire trop long. Parce qu'on dirait que les gens ne savent jamais. Et hop, le protocole me voit pour me dire que est-ce que vous pouvez prier. Et dis-moi, il y a Ademika, un seul appel, un André Ademika, un seul guité, il y a deux ou trois mois, même Ademika connu. Mbi, hein, pourquoi? Et on vous voit, non, sur Facebook, tout ça, évangélisation, et c'est prière à un moment donné là. Alors qu'à des sisters qui font des prières en ligne, mais c'est pas cela, t'es que ça, non, attendez-moi, cela, t'es les voix. Enfin, il rit, bon, moi je n'aime pas citer les gens, les noms des gens, parfois, vaut mieux être se réserver. Ah, après, t'es pour la prière, mademoiselle Marie-France Ramadan, j'ai dit Jésus. Ah, Nicolas, voilà, Mbisikawa. Il fallait me détendre, donc j'ai imité un peu le pasteur Yves Castanou, qui dit souvent qu'il y a le chef d'État sur la terre, mais il y a le chef d'État de l'univers qui tient le souffle de vie de Barack Obama, tout ça, la reine d'Angleterre, c'est Dieu que nous prions. Donc j'ai dit aux gens, de la même manière que vous êtes levés pour acclamer le président de la République africaine, merci de bien vouloir vous lever également pour accueillir, hein, pour honorer le chef d'État de l'univers. Ça dérange donc. Ça rendit là. Ah, dans la nuit, là, t'as gâté. Son nous os, voilà. Ah, l'homme qui est poliment, là. Il prie, on l'a dit, deux minutes à tête. Il y a des lieux pour ça. Je crois qu'il y a deux ou trois minutes de prière. Sous, voilà. Sous, voilà. Tac, tac, tac. Mais qui mon téléphone, mais quand je demande de filmer, les gars. À la fin de quoi t'es même, mon kanga, tu nous as verrouillé. Mais ta boîte, tu es dangereuse. Tu es dangereuse dans l'esprit. Ce que tu nous as fait là, tu nous as paralysé. Donc c'est pour dire qu'à tous ceux qui ont prévu venir samedi prochain pour faire quelque chose là, je vous dis welcome. Je vous dis welcome. Lui-même, c'est un homme d'onction. Apparemment, tous les matins, 5h du matin, d'après ce que m'a dit un frère qui va souvent là-bas, et qui prie dans le Nonangouba, déjà à 6 ans. Apparemment, c'est tous les jours comme ça. Tous les jours, apparemment, il a fait ça à vérifier. Et qui prie à Sinanda, prend. À la prière, il dit, face au dehors, à ça sert à queue et rond et enveloppe, aïe, le baral, le répond à mes besoins. Et puis, il arrive apparemment toujours au bureau à 11h. Parce qu'il faut d'abord le finir dans la voiture de façon. Donc tous ceux qui ont prévu venir samedi, ti boina pourou, ti boina farine, ti boina agane chota na mena yaniso, Johnny Gango na Allah, il n'a la quoi blender de différentes manières. Donc nous allons parler du troisième, bon, c'est dans le thème, hein, avec le président. Donc, je ne vais pas mettre la vidéo en question. Vous avez dû tous voir et lire les propos d'un certain apprenti politique du nom de Ludovic Ledo. Tristement célèbre. Comme il veut qu'on le rende star, nous allons essayer un peu de le rendre star. Et après, vous allez pouvoir appeler et puis on va parler ensemble les sisters et le brother. Donc, ce jeune homme-là dit que président Gar, il faut que Azokwe, Aga, et puis à Bolo, et puis parce que mon boss n'a poto, quand la fille boss n'a poto, n'a pou, n'a so, et que da pepe. C'est ça, mon frère, c'est cool, exactement. Donc, vous avez tous entendu son discours de haine que je ne vais pas vous mettre ici parce que ça ne m'intéresse pas de le mettre. Mais ce sera pour tout le monde. Ensuite, Amenasseur Natene, Anigandegi. Voilà, te kandumbu, voilà, bundu, en tout cas, ami gande nu, wani sika, wani zibongwe, ti fana babani,
terre tient ni comme de pas la tiam de allo ba le ngako le sans cal ba ban ko ngam bana mi sans cal ozo gesan bori fa le tenen le ban ton son son joni mi tu ka venir comme te dire on dit pas chez madiba quand mi nous tenen ah ambe na folle nous so ka ga perruque au brésilien mais mal peigné ça tenen an go dit ki bongo ka tenen le ban nu il m'a dit batele hé ka ke tu n'es là dans la ziwaso il n'a guère pas elle sans olga Bundu, ok, d'après Bundu, Bundu donc nu, tenue si Eve. M'a dit, bah, t'es kake, ake, tu n'es là. A dit ça, a dit, n'a gué piawa, mais t'es là, ça, d'un. Donc, a t'as mis du colis, kassa mon gonda, a garçonni, a la quoi, leke, bongoro, tchalo, bongoro, a la leke, ni, papa, a ninga, dame, la nassara, et n'a pe, ou a sa, malawa, vrai, ni pepe, bongoro, tchala, quoi, leke. Ala zanga cha zemta ni o wala zania zani tout 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 tout. Oh, les frères sont prêts à aller rentrer à leur hein, à rentrer dans le tunnel. Donc bon bon ta frère ni ala lekeni joni joni. Voilà snaide na po na na poro. Voilà et kanjo kanjo, voilà l'occasion. On dirait kaso amna ayeni kana lekeni pepe. Donc nos frères commençaient à limer. Dès maintenant, commencez à limer, à la limer, à la limer, et puis à la limer. Kassa Mongonda, n'entrez pas dans les tombeaux. Tombeaux, toi, Priska. Zazwa, Azana, tu as besoin, me moquer, Priska. Hein? Azana, tu as besoin. Azwa, il y a que Sarah là. Ate Andi Gagi nu, Mbundu. Donc, Aïta Koli, voilà, tu y pourras. Voilà, tu y pourras, en tout cas, c'est vous qui voyez. Maman est trop de dépression en France. Ah. Donc si on entend dans le tunnel, ça peut les soigner. Pourquoi pas comme un canal à la folie là. Ah. Donc à Madiba, à Kassamogonda, à Lagao. Ah. So Penretene, Sylvia. Bah il n'a pas eu de temps à mon candidat. So yé. En tout cas, je suis Gwande. Donc ça, tu as appris avec depuis zo. Voilà l'occasion que tu as offert sur un plateau. Alors voilà Picamika. T'as la ngangu minga la somingi zo. Voilà l'occasion d'aller me mettre un coup KO là-bas. Alors comme n'engagez le métro, voilà niveau tu ne dois à la Kumbika, il y a pas de souci. Donc ni là. Mais nous voulons dire quand même à l'État français. Hein? Soit la invité, Biati, tout Adhéra, tout est le gars na sommet. So. Que, quoi qu'il en soit, à dire, on n'a même pas peur de qui que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on vous répond qu'on a peur de vous. Non. C'est que de temps en temps, il faut répondre à votre folie. Hein? Voilà. Mais sinon, on a peur de rien, mais de chez rien du tout. Le président Ouattara n'est pas n'importe qui. C'est l'homme de la situation en République centrafricaine. Quel jogging, ma sister? Ike you bongo, tu sais, babati, bien, quel jogging? Tu sais, rien. Même à que jean, même à que robe, à que talon, à que yé. Agawa, son maman, Ike l'outigi. Et le problème? Avoir peur de qui, de quoi pour aller dans jogging, tout ça, casquette, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le monde entier nous regarde, s'il te plaît. Jogging, c'est pour la maison. Hein? Partagez et faites monter. Tu es Banda Aline Zapa. C'est ça. Ah oui, hein? Baba Banda Mbati. Maman Tibake Mandia Ali. Samantha. Ta Rwandaise est là. Donc, tous ceux qui veulent écouter le père de la nation, c'est le moment. A te katenen bongia ke bagbara kodro, bongia fumingi, akamuna y parti. Bon, apparemment, akakodro na we. Ni la keke son kora la, ça j'ai pas compris. A tenen fo akakodro na muna y parti ka. Kapparemment, baba na kanina wande o. Bon, wati apel ngumba te lo ka wandez. Donc, amlenge ti ngumba. Kote sa kwe, akwe atala kwe la, ki va se neglige. Bon, biwa te kwekagi a wandez si. Tandoji ti etniti kagamega. Igo ke mbaja. Kakodra wa adouche nenga ta kamemo awa en rocha la amou na la et puis vous restez à l'étranger.
puisque Bondiaké, Bagbara Kodro, Funga Kodro. Oui, quatre ethnies, Célétine a bien dosé. Bien dosé. Donc, le père de la nation est le mieux placé pour nous expliquer la tokenisation. Donc, peut-être qu'il sera là avec peut-être ses ministres qui sont concernés. Voilà, qui est financeur. Voilà, qui est ministre qui est mineur. Voilà, qui est commerce. Voilà, qui est économie. I don't know. Mais en tout cas, lui-même, en chair et en ononos, il sera là. Monter encore, il est en amélissant en lingasi. C'est rare souvent, mais pourquoi pas. Mon mélange est un cocktail, Molotov, puissant cocktail Molotov, Nacha, Bandali, Nambati, Nasaranga, Nambote, Nambanjana, Ali, tout, 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 tout. Maman Nathalie connaît, le maman qui était une connaissance à Ali Nina. Voilà, non, le Yingane que Ali, tonto Ali, hein, Gassa, oui, Gassa, Koho. Donc, le père nous dira lui-même, c'est quoi la réécriture de la Constitution, pourquoi il faut réécrire. C'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme Macron il veut faire là ou pour toi c'est différent de Macron? Donc lui-même, le père, il va nous expliquer ce que cela signifie. Parce que nous-mêmes, si on explique aux gens là, ils ne vont pas comprendre. De toute façon, qu'ils sont cucu, ils sont têtus, ils sont zoba, zoba, zoba là. Vous pouvez leur dire ça. Tellement qu'ils ont la haine là, ils ne vont jamais comprendre ça. C'est tout. Donc moi, je ne perds pas mon temps à expliquer à des gens qui refusent de comprendre c'est quoi la pourquoi on veut réécrire la Constitution, pourquoi le président Touadéra pense se maintenir au pouvoir parce qu'ils ont leur boule de cristal que nous, on n'a pas encore, pourquoi la tokenisation, parce que Dologuélou nous a fait un système là de cours qu'on n'a pas compris. Dologuélé, hein, avec Athénée Zwangba, dit ou à l'endroit de toute façon, à l'Australie, ou à l'endroit de ah, mais ça capte des comptes, ils sont deux chimies ici, pardon. Même si tu es quand même à 300, 400, à la monétisé, à la sponsorisé, à la certifié, à la donc même si tu es 2 et 3 ou pas quand même vidéo, même si c'est en dehors de live là, 10 000 vues, 20 000 vues, ah, on a 107, et puis je suis monétisé, sponsorisé, qui bat, je veux la manquer, mais c'est pas grave, en tout cas. Je ne suis pas n'importe qui, je suis quand même Sisangola et Marie Poto. Voilà pourquoi, une parenthèse, j'insiste à chaque fois, mais c'est à vous de voir, de dire aux frères et sœurs qui font des lives, ayez des pages. Ah, tu n'as pas, je m'en sais pas, je suis inquiet. Ah, dis même, qu'est-ce que tu vois, il y a un gonda, même, c'est une gramba ou la clambasso. Ah, je sais, qu'est-ce que tu quoi, à qu'il y a une page. Mais, ah, là, qu'il y a un compte. Ah, la Guinée compte, mais elle a dit évoluer pour. Mais il y a des pages, c'est. Une page, c'est différente d'un compte. Mais une page, c'est magnifique. Une page, c'est juste waouh! Et il y a des pages Facebook, imposez-vous! Hein? C'est vrai que comme on a une page, comme quand on a raté mon Moza, à espace Moza, à numéro 1, 2, 3, Moza, couleur Moza, pousse à cœur, c'est pas facile. Mais quand tu es passionné, tu le fais. Bon, à la Saranape. De maintenant, il y a un prière, ouais, il y a un film, pourquoi Guillo, pourquoi pas nous? Mais imposez-vous par des pages. Imposez-vous par des pages. Hein? Mon père, maintenant, il va rien, mon père, mais quand le cré pas sur leur photo, il dit, ta star, voilà. Mais pas le sou, ou le nom, de quelqu'un, il dit, oh, Guillo, là, trop tard, tu l'auras déjà invité, il l'aura déjà moussé. Imposez-vous un peu. Oh, bref, passons. Donc, le président Touadéra et son équipe vont nous expliquer est-ce que Tati Baba Chimi, Ramadan, na Benzi, na Fou, na Miskin, na PK22, na PK12, PK13, Beni Rwandais, voilà Beni Zoti, Abu Danyenta Nika, voilà Emira Nika, Angbaka, ça gagne. Ben! Attaquez-nous, madame Ramadan, la veuve, allez, dehors, allez, au Kumba, ramenez-moi. Papa Touadéra, il s'est sale là. Le 30 juillet, je vais voter non à la Constitution. À la réécriture, je voterai non pour le référendum. Et c'est ça là. Zouambaka, peut-être Dati Baba, qui dit Agatene. Bon, Biriche Gay, Agakambi, a rassuré. Il dit oh, mais Chege n'est pas financier. Chege n'est pas juriste. Chege, Chege. Mais le clos, ça est démonstration. Quand il y a des petits, il y a un bourrin là-bas.
Allez, Anissé, ben. Oh, mais vraiment, mais Anissé, mais tu es exagéré. Oh, mais. Il m'a dit, Georges, j'en ai. Gando, il m'a tout senti. Bah, ici, il y a un expo, et Zonga, tu as la peur. Il y a un beau talent, il y a un Zonga président, tu es mini. Il y a un beau parcours, il y a un waouh, mini. On a du respect pour vous, monsieur Dolo Guélé, mais apprenons aussi à nous respecter. Ou à Maka, protéger, quoi, Galabadja, Badacha, Tatna, Galabadja, Ali, Galabadja, Angomba. Maman d'Ali, Alice, le mandat, le mandat, mais le Alici, Calabadia. Par malchance, si de le guérir, c'est à protéger, pas d'Ali, à ta vie, car en Gumba, Canas, Calabadia, car c'est à vider, ça va mal se passer. Donc, le président, il sera là. Et puis, Ludovic Ledo aussi sera là avec son équipe de anti-référendum pour le lapider. Donc j'en profite pour dire, parce que je sais que la police ou je sais pas, DGS, ce machin, ils me suivent. Parce qu'ils m'ont déjà convoqué. Ils savent tous que si c'est Angola, c'est moi. Marie Poto, c'est moi. Que les cours magistraux de chez et que c'est moi qui gère. Tout Walenga. Ils connaissent mon nom, prénom, date de naissance, tout. Et ils me l'ont dit, devine ça la gourou mimbi, paf, atida. À la tena, imagine tout. Et puis, ils me regardent, ils me suivent. Permettez-moi de vous dire ceci, très cher gouvernement français. Vous avez invité notre cher et tendre président, Faustin Archange Touadéra, qui est l'homme de la situation en République centrafricaine. L'homme qui a su résoudre l'équation de la paix en République centrafricaine. L'homme de paix, un homme épris de paix. L'homme qui a nettoyé le territoire qui était occupé par les rebelles. L'homme qui a... changé la mentalité des Centrafricains, l'homme qui est admiré par la diaspora africaine. S'il ne serait-ce que sur le territoire français, en touchant son costume, en prenant un verre d'eau et qui se casse un seul ongle, ou juste une égratignure, ou en se rasant, il a un peu loupé, ou en se peignant, ou en touchant une porte, quelque chose lui arrive. Vous serez responsable de cela. Pourquoi ? Parce que les gens de la CPC apparemment se trouvent sur le territoire français et ont crié tout haut, dont la vidéo est en ligne, bien capturée, conservée, que vous les aurez autorisés à aller boycotter la venue du président Faustin Archange Touadéra sur votre territoire et sur votre invitation. Mais nous vous prévenons qu'au moindre accident, incident et égratignure, en se rasant même à la maison et qui se blesse en voulant attacher le bouton de son costume et qu'il se gratte un peu, vous serez responsable de cela. Parce qu'un président reste un président. C'est une autorité, ce n'est pas un chiffon. On ne rêve pas de la France ou on ne rêve plus de la France. La preuve, 4 ans sans venir en France, il est toujours vivant. La France n'est pas l'Europe. La France fait partie de l'Europe. Mais l'Europe, après le président est tout le temps en Belgique. Nous, on rêve d'où? Déjà, on rêve peut-être Dubaï, on rêve même plus États-Unis. On s'en fout, Gaba même. Donc, si quelque chose devrait lui arriver, vous serez complice de cela. Et sachez que ce n'est pas que le peuple africain qui va vous en vouloir, mais ce sera toute l'Afrique qui aime ce temps providentiel qui vous en tiendra responsable. Et ça ne restera pas qu'à ce niveau-là. Mais, à dire, on poussera loin et vous aurez ce qu'on... À dire, vous, ce sera du jamais vu. Parce que tout notre espoir est sur ce tome-là en question. Et il se bat pour nous sortir de 60 ans d'esclavage de plusieurs pays occidentaux. Donc, n'ayons pas peur. Comme dit le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur, la famille, n'ayez pas peur. Nous serons tous là le samedi pour bien accueillir le père de la nation, le président Faustin Archange Touadéra. Donc, je profite pour dire aussi à Ludovic Ledo que notre sœur internationale, Véronique Ondine de Togo, Jennifer de Ipi, sera là pour t'accueillir. Maman, Touadérani, écrit-ni avec majuscule, maman, pardon, majuscule, n'a qu'un gangouming, au moins le T, maman, Anastasie, n'a majuscule, non propre, tu cotazola.
Ludovic Ledo, Jennifer de Hippie, m'a confirmé hier qu'elle sera là. Et elle ne sera pas seule, elle sera en délégation. Donc l'accueil sera juste waouh. À la bande, rien. Alors, il fallait Véronique, dans le live de Casamangonda que j'avais posté là-bas, la délivrance de Ludovic Ledo. C'était juste l'extrait. Après, il y aura l'intégralité. L'autre sœur Véronique sera là. Ike Yamba, Tati Véronique Ande. Ike Yamba de Ludovic Ledo. Baba, tu as une enveloppe de 800 euros, ni bien ni. Je suis là, pourquoi tu as une zone de nini. Tellement, c'est mon gars, pour mon avis, il y a un peu de temps. Mais en tout cas, il y a chez Banda. Véronique, le que si tu l'as aussi, Nila, je serai là. Et puis elle sera là et bien présente. Donc, Bikon, Biké Dande, Mangabi, la carte de Concoe, Baba, Biké Fiman, et remis son enveloppe, Nando, petit assoir, Baba. Mouna le Kika, la soeur me dit Ka, parce que Kasamogonda aussi, je pense qu'il sera là. Le que Gande, hein, na Lingitulo, na Kambatulo, na Kundutulo, quoi, et ni Ikilekeni, quoi, Gika. Ou à Louis Gika, ou bien Iko Imana Begna, je te dis Kande. La troupe de la Waka sera là aussi pour les accueillir en danse. Exactement, ma sista. Nila. Donc, le standard est ouvert. Appelez directement là-bas et puis donnez votre avis. Et puis, on se kangui. Il est 20h33. En tout cas, à qui est Benachine et pas que vous qu'on a Corée. Vous n'avez pas de famille. Voilà. Bravo. T'es majuscule, c'est ça. Pompez beaucoup de pouces, de cœurs, de likes. Vous pouvez maintenant appeler directement dans le live. Appelez Mikaela, appelle. Hein, Gros Nico, appelle. Jennifer, appelle. Sandara, Zia, voilà, Zomiyangoussi. Alors, Rindo, appelez. Appelle encore. Non, la rose. Venez. Notre frère de la Guinée qui appelle. Notre frère Sekou appelle. Ça, je pourrais m'asseoir. Ake Ben Nashin, Ake vous qu'on a coré. J'ai parlé 1h30, hein. C'est beaucoup, hein. Mais comme je parle bien, je mixte tout ça. À savoir que tu vois, à la sentir, n'y a peu. Voilà. Ah, Michaela, l'appel ne passe pas. Hop, Michaela, faut relancer. Elle arrive dormir d'outil faisant. J'attends pour que je sois dans le cadre. Hop. Maman quoi, regardez. Bravo. Ah, je sais pas, mais ça passe pas. Appel na guapeur. Je sais pas. Essaye de rappeler. Hein, c'est bizarre. Bigachimo guapeur. Moi, je veux que vous appelez dans l'air comme ça. Je peux m'asseoir. Ake ben, Véro Ake, Ludo Ake Gan, Soye. Ike Bande à la Kwande, Soye. Appel na Kesson Bachin, hop, ajoutez Mela, c'est en cours. Comme ça, je pourrais être bien dans le cadre. Du coup, le Inde aussi. So beauté, Soye. Mendo Wani, so ma femme, du transpirant, des fous de ça, des milliers de Nikan dessus. Wagitisa Jande, t'es franchi, mina sigin brim brim, t'es un Rwandais ni. Michaela, ajoute en cours. Ajoute en cours. Maman Anastasie sera là. A Québec. C'est ma pourra qu'elle envoie la Yindo Gessi. Faut comité d'accueil, Mati Tachi, Ludovic Ledo. Il faut Yamba, Itachi, Ledo, na Véro. A Ketching Bika, soye. Le gars, il a 800 euros. Oh, tu sais, ça, le traîneur, ça. L'onda, tu n'as pas le traîneur. L'Ondana a quand dit combien appelle le train. Ah, pardon, c'est leur chef, non? Michaela s'écrit à jouer en cours, hein? Voilà, ça, Kiawa, je sais pas. On attend pour voir, je sais pas. C'est écrit en cours, je sais pas. Ce que faut nous faire. C'est écrit échec, donc je sais pas s'il y a un sur le niveau de Facebook là-bas et d'autres, non? Puis non, je dis si possible, je serai là. C'est mieux brésilien. Mais moi, j'ai jamais fait de brésilienne, hein? J'ai jamais fait ça. Ça m'a jamais inspiré, hein? Comme moi, je suis beaucoup habituée aux églises nigériennes. Et je sais pas, on m'a toujours donné une mauvaise image des mèches brésiliennes, quoi. Mais ça m'a jamais intéressée, hein. Parce que moi, tu sais, peu importe le prix, moi, je... Bifou misère, bifou mi bien. Bon, t'as qu'à vous, il y a 300 euros, 400 euros. Qui va payer ça? Pardonnez. On refait la demande.
Parce que Facebook n'a bugué, I don't know. Je rajoute, hein, si ça refuse, on va devoir passer à autre chose. Pourtant, vous n'avez pas encore de spectateurs, tout ça, c'est trop bizarre. Michaela, c'est en cours, hein, j'espère que ça va passer. Hein. Patientez un peu. C'est Gena qui est en ce moment, ira là. C'est bizarre, il y a un souci, peut-être c'est Facebook, mais en tout cas, moi, je voudrais bien vous avoir comme ça. Mais si ça caca, c'est que Facebook a un souci. En tout cas, c'est pas moi, hein. C'est Facebook. Hein. Bon, je vais m'asseoir et puis je vais appeler Michaela en premier, après Sekou et ensuite le grand frère Nico. Je sais pas pourquoi, mais ça ne passe pas. Mes salutations, Séverin Kessner, je parle de toi tout à l'heure ici. Et c'est là que le frère Jonas Nzoko nous apprend que tu es en deuil, si c'est vraiment le cas. Je te présente ainsi que, au nom de tous ceux qui nous suivent, toutes nos condoléances. Et que Dieu te fortifie et console la famille en question. Beaucoup de courage. C'est écrit échec connexion, Michael, entre des Facebook qui déconne. Michael, je t'appelle sur WhatsApp, malheureusement, ça ne veut pas. Ben, normalement, c'est à vous de m'appeler. Hein. Tout le monde dit appelle-moi. Comme je dis, j'avais tous vos numéros de téléphone. Michaela, comme très souvent elle appelle, donc son numéro ici s'est enregistré. Le reste, c'est à vous de m'appeler. J'appelle d'abord Michaela, les autres patientes. Michaela, ce sera par WhatsApp, hein. C'est bizarre, ça refuse. Hein. Allez, donc, non, je ne sais pas pourquoi. Mais il y en a qui a Michaela. Je t'appelle Michaela, ok? Je t'appelle Michaela. Ben, Michaela, par. Allô, allô? Allô. Ça va, Sista? Oui, ça va très bien. Ah, bon, comme Meta est patron là, Meta ne veut pas aujourd'hui, hein? Je ne sais pas pourquoi. Ah, ben, peut-être qu'il y a, un problème, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Donc, on se soumet à Meta. Est-ce que vous écoutez Michaela là-bas? Est-ce que le son est bon? Dites-moi. Est-ce qu'elle a Michaela Kindon? Bon, déjà, tu peux parler, hein? Nous t'écoutons, ma sista, que Dieu te bénisse encore. Merci. Donc, je salue toutes les personnes de bon cœur qui sont là et qui nous suivent. Alléluia, nous te saluons parce que moi, j'ai un bon cœur, je salue Michaela. Merci. Quant aux autres, ben, on leur secoue les poussières de nos pieds. Hein. Et puis on passe, c'est tout. Voilà. Alors, c'est pour parler à Ludovic Ledo, je crois que c'est ça, Ledo. Hein. Ah, Ledo. Ludovic Ledo, prends ton tabouret. Écoute, Michaela Kindon. Merci, nous t'écoutons. C'est une femme banda. Voilà. Alors, j'aimerais demander à Ludovic Ledo, hein, parce que dans plusieurs de ses interventions live, il nous dit qu'il a fait du droit, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il a dit qu'il a fait du droit. Ok. J'aimerais lui demander, hein, quand il demande, là il est sur le territoire français, n'est-ce pas? Ah ben oui. Parce hein. que le droit qui est fait en Centrafrique, je pense que c'est le droit français. Oui, 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 comme on est des copieurs là. Mm. Voilà, parce que c'est par rapport à la colonisation, donc c'est ça. Exactement. Alors, il est là, donc il est venu, hein, il est allé à leur manifestation. Mm-hmm. Pour quoi, en fait, je ne sais pas. Parce que quand on l'entend, hein, quand on entend son intervention, moi, je me demande, en fait, il reproche quoi au président Touadéra? Il lui reproche quoi? Parce qu'il dit, le président est rancunier, le président n'écoute personne à part lui-même. Mais qu'est-ce qu'il aurait dit au président que le président n'a pas écouté et pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Parce que c'est fou. Quand on entend, il parle de rancune. Est-ce que le président, il connaît chacun des peuples intimement pour être rancunier? Parce que, pourquoi je pose cette question-là? Excusez-moi pour son nom, hein, Ludovic Ledo, dans ses commentaires, très souvent, quand on lui reproche d'avoir la haine, il dit... pourquoi vous me reprochez d'avoir la haine contre le président? Je le connais, il fait partie de ma famille, quelque chose comme ça. En fait, ils ont un lien de parenté. Ouais, genre, c'est son beau-frère, quoi. Il serait le frère ou le cousin de la première dame, Brigitte Touadéra. Ok.
toi. C'est tout. Alors, si par hasard, je ne sais pas, hein, si par hasard tu as un problème avec le président personnel, pourquoi tu transformes ça en politique pour pousser les gens à aller l'humilier pour te faire plaisir? Moi, je trouve ça idiot, et surtout de la part de quelqu'un qui dit avoir fait du droit et qui ment, parce que tu pousses les autres à l'incivilité, tu les pousses même à commettre un crime. Tu dis que non, dans ce pays, on peut lancer des choses aux dirigeants de ce pays, on va rien avoir. Je dis que tu mens, tu es un menteur. You are a liar. Menteur, tu mens. Big liar. Je vais te donner un exemple récent, là, c'était en 2021. Hein, en 2021, et je vais envoyer le lien de ce que je dis là. En 2021, donc, lors de la visite du président Macron. Pompée. Lors de la visite du président Macron à Lyon, hein, au stand du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, le président Macron a reçu un œuf sur son épaule. Donc, quelqu'un, hein, un citoyen français qui est contre la politique du président lui a lancé un œuf, mais l'œuf ne s'est pas cassé. Il l'a reçu sur son épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, l'auteur de ce jet d'œuf a été arrêté et menotté. Et écoutez bien le terme que le journal a employé pour parler de ce citoyen mécontent. Hein? L'agresseur a été aussitôt arrêté. L'agresseur. Alors, le dos, toi qui as fait du droit, c'est quoi un agresseur? Pourquoi on l'appelle agresseur? Et puis, l'agression en droit, c'est punissable ou pas? Moi, c'était la question. Tu as fait ton droit là où? Parce que hein, Ludovic, c'est le genre de personne qui est manipulateur. Manipulateur, pourquoi je dis ça? Je vais expliquer. Ah, expliquer. Je sais que tu m'écoutes, tu te calmes, tu écoutes. Oui, oui, il est ici. Pompé, beaucoup de pouces, de 15 étoiles pour Michaela Kaiman. Nous t'écoutons, ma soeur. Il est allé rejoindre un camp où dedans, il n'y a que des cancres, au fait. Mm-hmm. Quand il se met à parler, il prend, tu vois, une posture, il veut montrer que non, je suis parfait, je suis comme ça, c'est moi, quoi. Comme il est avec les concres. Et puis, quand il s'adresse à eux, il dit, n'ayez pas peur, il insiste, n'ayez pas peur, il faut y aller. Ils vont aller là. Écoute ce qu'on dit de cet agresseur de Lyon, là, j'ai pas fini. L'agresseur a été aussitôt arrêté. Il a été condamné à 4 mois de prison ferme. Donc, ces gens-là, qu'ils aillent, il faut encore les encourager pour qu'ils aillent. Et en plus, il insiste, hein, il dit, regardez comment les manipulateurs agissent. C'est-à-dire, il veut pousser ces gens-là à faire quelque chose que lui-même, il a prémédité. Et la préméditation en droit, Ludo, devant le tribunal, c'est quoi? Moi, je n'ai pas fait du droit. Hein. Et je suis en train de donner les cours de droit à quelqu'un qui a fait du droit. Oh là là, je suis trop forte. Peut-être qu'il a fait la gauche. Hein. La préméditation. C'est-à-dire, toi-même, tu as prémédité et maintenant tu viens en parler, c'est-à-dire vous organisez ça en mondovision pour dire il faut aller faire ça, que les gens n'aient pas peur parce qu'il n'aurait rien, il n'y aura pas d'impact. Ludovic Ledo, le président Touadéra est pour toi, c'est-à-dire tu le vois, sa personne, comme ton beau-frère, il représente devant le monde entier une institution. Ah oui. Ludovic Ledo, l'image du président Touadéra, sa personne, que la France, c'est la France qui l'invite. Donc la France qui l'invite là, la France doit le protéger. Et la France invite le président, c'est dans l'intérêt de la France. Est-ce que tu crois que le président Macron, il va laisser ses intérêts pour aller te faire plaisir à toi là? Si même le président Macron, il veut amadouer le président Touadéra, il peut même te prendre, faire ce qu'il veut, te dégager de son territoire, faire ce qu'il veut.
je ne sais pas où tu as fait tes cours de droit, si tu as fait ça dans la rue, ah ben c'est pas pareil que ceux qui le font dans un dans une université, dans un cours de droit légal. D'accord? Alors quand tu viens t'adresser, parler à tes concours, mets-toi dans la tête qu'il y a des gens qui sont instruits, qui réfléchissent, hein, qui ont quand même un peu de jugeote, qui peuvent comment dire, te contredire. Parce que tu viens, c'est un système, tu es là. Tu vois des hommes ici. Si vous êtes des hommes, il faut y aller. Non, on ne va pas le toucher. Regardez ce qu'il dit. On ne va pas le toucher parce que dans ce pays-là, si tu touches la personne, mais lui qui est le dos, mais tu es un idiot. Pardon? Tu es un idiot. Si dans la rue, je ne touche pas quelqu'un, je prends un objet, je lance sur la personne et que ça blesse la personne. Tu veux dire que sur le territoire, même dans la jungle, on va rien me faire. On va rien me faire. Envoyez beaucoup de pouces, de cœurs, des étoiles. Roland, Doras, tu rigoles beaucoup. Les étoiles, s'il vous plaît. Merci, Michaela, continue, s'il te plaît. Il dit sur le fait de toucher physiquement, que ça compte. Mais content que tu ne touches pas, tu es loin, tu lances. Lui, il dit, donc, tu n'as pas fait du droit. Arrête de mentir. Tu mens. Tu n'as pas fait du droit. Tu mens, c'est-à-dire tu veux te donner de l'importance. C'est-à-dire, les moindres des choses comme ça, là, tu sais même pas. Le fait de prendre un objet, hein, et c'est dans la loi française, hein, là, en tant que président, hein, c'est-à-dire même un citoyen lambda, tu prends quelque chose, tu lui lances dessus, hein, ça c'est une agression. On a appelé la personne là, hein, ce monsieur mécontent, il est mécontent de la politique de Macron, mais pourquoi s'en prendre à la personne de, à la personne de Macron? Question. Pourquoi? Question. Pourquoi? Ça ne se fait pas. Du tout. Parce que dans le droit, dans les pays où il y a les lois, hein, dans les pays où il y a les lois, il y a des règles à respecter. Tu es en France là, si tu crois faire des conneries, raconter des conneries qui vont contre les intérêts de la France, déjà là tu les as fait. Mmh. Là, tu te trouves dans la merde, c'est à toi de t'inquiéter. Et ton droit là, retourne, retourne. Je ne sais pas qui ça. Est-ce que tu as même fait le droit? Question. Si tu as même fait le droit. Question. Hein? Dis, hein, elle mérite des étoiles, maman. Il n'écoute personne, il n'écoute que lui-même. Mais t'as besoin qu'il s'écoute lui-même. Quand tu dis qu'il n'écoute personne, en fait, tu veux parler de qui? Parce que le peuple, le pays, qu'il a élu, qu'il a mis là où il est, il écoute ceux qui l'ont mis là-bas. Ce sont ceux qui l'ont mis là-bas qui lui ont demandé ce référendum. Donc, il doit les écouter. Mais toi, ce qui sort de ta bouche avec le con que tu es allé rejoindre, vous dites quoi? Vous allez aller l'attraper? Et toi, Claire, sa tête, vous voulez le tuer? Faut qu'il quitte le pouvoir pour que vous allez prendre ça. Et tu penses que le président Touadéra, il va écouter ça? Mais s'il écoute ça, la majorité qu'il a élue, ça va être quoi? En t'attaquant à la personne du président, je ne parle pas de ton bon frère ou de ton ami, je parle du président. Il est un président. Il représente un pays, une nation, un peuple. D'accord? C'est pas n'importe qui. Vous n'avez le respect de rien du tout. De rien du tout. Vous n'avez aucun respect. Vous pensez que la France est contre la RCA. C'est ce que vous pensez. La France cherche ses intérêts en RCA. La France cherche ses intérêts en RCA. Et si vous voulez montrer que la France vous pousse à aller agresser le président Touadéra, je pense que la France est assez grande et a tout ce qu'il faut pour bien s'occuper de vous. Elle va les niquer, fia. Continue, ma soeur. Voilà, c'est ce que j'ai à lui dire. Donc, il pense que le président Touadéra allait l'écouter, lui, là. Il dit, il n'écoute personne. Et il se prend, hein. C'est-à-dire, il prend sa personne, lui, un seul individu. Il se prend pour la nation, son soutien, quoi. Hein? On a trop parlé. Il a dit, hein, on a trop parlé. Hein? Quelle expression il a dit, là? Il y a un temps pour la diplomatie et un temps pour l'action. Depuis quand vous avez parlé en diplomatie? Il n'y a que le langage de la violence. Il n'y a que le langage. Vous faites que l'apologie, hein? L'apologie des crimes, d'aller verser le sang. Où est la diplomatie dans ça? Mais tu as fait ton droit là où? Tu emploies des mots là où il ne faut pas les employer. Hein? Tout ce que tu dis, c'est. S'il faut utiliser une figure de style en français pour. C'est de l'oxymore. Tout est contraire. Tout ce que tu te dis, c'est contraire.
histoire, ça n'a aucun sens. Si on, écoute-toi bien. Parce qu'il y a des gens qui te comptent, t'écoutent, hein, ils analysent chacune, je dirais pas chacune des phrases, chacun des mots qui sortent de ta bouche. Chacun des mots. Wouh! Roland Doras a envoyé 530 étoiles. Et avec le président, tu as un compte à régler. C'est comme si toi tu es, je suis sûre, toi tu es ceux qui encouragent le népotisme. Toi tu es ça. Yeah. Tu es ça. Et tu pourrais utiliser cette relation-là. Ça, ce n'est qu'une supposition que je suis en train d'émettre. Hein. Mm. Je suis en train d'émettre une supposition. Oui. Je ne suis pas en train de dire que ce que j'ai dit est vrai. Mais je suis sûre à 99% que c'est vrai. Mm. À travers ton groupe frère, tu voulais avoir une place en vue parce que tu es tellement imbu de ta personne. Ah. Et tu veux que voilà, on te dise, voilà, ça c'est le dos. Ça, c'est Ludovic Ledo. Mais comme ça n'a pas marché, eh ben, tu as un plan. Tu as un plan. Il a tapé, poto. Pour l'amener en politique. Et ça, là. Et ça, là, ça ne marchera pas. Et en plus, tu veux prendre une nation. La France. La France. Tu veux prendre la France derrière toi. Dans tes conneries. Et puis, pour que la France joue avec ses intérêts. Eh, mais mon gars. Je sais pas, j'ai envie de parler en banda. J'ai envie de parler en banda. Il faut, t'es venu, maman, il faut dire. Il faut dire. Il faut dire en banda. Hein, comme, hein? En banda ou en anglais, la 5 fils wrong is coconut là. Il faut dire. Non, mais il fait rire. Il fait rire, le gars là. Hein. C'est-à-dire, il se voit, c'est un mec de la valeur, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Au lieu de perdre ton temps, au lieu de perdre ton temps pour rien, Ludo, va à la gym. Va faire tes abdos. Oh, mais c'est quoi le rapport? Comment ça? Ben parce qu'il perd du temps. Tout ce qu'il dit, ça n'intéresse personne. Mais bon. Mais attends, ce qu'il dit sur la nation française. Mais que bon. La France est derrière lui et que la France, ils sont derrière lui pour. C'est comme si hein, le président Macron l'aurait appelé en ligne pour dire ouais, t'as le dos, j'ai invité le président Touadéra, il faut venir avec des gars et les yeux et tout ça, venez le bombarder avec. Mais on a l'impression, même là, là, il ridiculise Macron. Il le rabaisse. Parce qu'il est au-dessus de ces gens-là. Donc il dit, oui, je vois ici, vous qui êtes venus, là, il y a beaucoup d'hommes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc vous êtes au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi en France. Allez-y. Allez-y. Je vous dis, si vous êtes Ludovic Ledo, tant que c'est à toi que je dis ça, il faut que toi. Toi qui connais le droit, qui sais tout là, je t'attends toi pour aller lancer les œufs et l'appareil. Toi, toi, il faut que tu le fasses. Parce que si tu ne le fais pas là, je n'aurai aucun respect pour toi. Mais pas du tout. Puisque tu es monsieur, je sais tout. Vas-y, va le faire. Va le faire. Mais, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pardon? Pourquoi aller à la gym et faire les abdos? C'est quoi le rapport, s'il te plaît? Ben parce que il est... Tu vois pas son embonpoint là? Ah! En tout cas, notre soeur Véronique a dit qu'il n'aime pas les pâtes et salades, hein, lui c'est le gozo. Bah. Moi, ça serait mieux pour lui. Peut-être que c'est tout ce qu'il a. Parce que des fois, hein, on dit que l'estomac est le deuxième cerveau. Donc, si son deuxième cerveau n'est pas normal là. Donc, c'est ça peut-être qui cause tout ça. Hein. L'estomac est le deuxième cerveau. Allez, quand on n'est pas bien, hein, quand on n'est pas bien, ce que je dis, hein, ça, c'est scientifiquement prouvé, hein, c'est, ça ne vient pas de moi. L'estomac est le deuxième cerveau. Donc, au lieu de passer que le temps à manger n'importe quoi, hein, à boire n'importe quoi, et puis après, quand tout se mélange là avec les produits chimiques, ça monte au premier cerveau, pour que vous allez raconter n'importe quoi et pousser les gens à aller commettre des délits, aller à la gym, faire du sport, dormez, lisez des livres, aller en vacances, reposez-vous, aller au bord de la mer, dans la forêt, tout ça, ça vous fera du bien que de faire des conneries et venir raconter des conneries, après venir sur les lives, ouais, j'ai fait du droit, j'ai fait ça, ça c'est l'Africain ça. Les Africains m'énervent, tu peux pas savoir. Surtout ceux qui veulent se montrer qu'ils savent tout. Ils aiment les titres, ça aime les titres. Mais derrière le titre, il n'y a que dalle. J'ai fait du droit, je sais si, je sais ça, oui, je fais ça. Hein? Rien du tout, c'est nul. Comme l'autre avec
discours de Martin Luther King. Oh. Ce discours est en ligne. Il suffit que tu écrives discours de Martin Luther King et que tu le lises. Il nous raconte des conneries. Et puis ça, quand on va le dire, ça se permet, au lieu de se remettre en question, de dire, voilà, je suis joué à l'idiot. Hey, I have a dream! I have a dream! Écoutez, et puis de se remettre en question, non, il faut injurier. Il faut injurier. Donc, tout ça là, ça prouve que j'ai raison de les appeler que des idiots. Parce que plus idiots que ça là, je vois pas. Plus idiots que ça. Même le mot idiot. Idiot là, même le mot idiot c'est trop poussé pour eux. C'est trop poussé. Et l'autre poulette qui dit, hein, qui a déjà dit, c'est-à-dire préméditation. On prémédite des choses qu'on va aller commettre. Elle dit qu'elle va aller nous montrer sa vieille foufoune poilue là, tout gris, je ne sais pas quoi là. Elle va aller se déshabiller pour montrer ça. Va seulement le faire. Si tu ne le fais pas là, je n'aurai aucun respect pour toi. Qui ça? Va le faire, regarde. Qui ça? C'est ça là? Qui? Comment il s'appelle Poulette là moi je pensais là. Ils auraient été intelligents. Quand ils sont allés à la réunion là, moi je pensais que ils se disent que ils plaignent le peuple souffre et tout. Mais quand vous les voyez, c'est-à-dire quand vous les voyez dans leur réunion, Ludovic, avant de parler, il vient sourire tout. Qu'est-ce qu'il dit? Ria. Moi je pensais qu'ils étaient malheureux. Qu'ils allaient donner une minute de silence au peuple qui souffre, qu'on tue, montrer des photos, être triste, grâce de la faim. Non, ils étaient contents de faire leur spectacle. Berta Béala, Ria! Ya, Ria! Aïe Taito! Vos spectacles à la con, là, ça apporte quoi à qui? Ça, c'est se foutre de la gueule du peuple. C'est se moquer du peuple. Vous n'avez aucun respect pour le peuple. Pas du tout. Parce que, hein, regardez, hein, allez voir des manifestations où des gens sont pour le peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Soit ils sont assis, ils ne parlent pas, ils mettent des bougies, prières, ça parle. Donc ça prouve que tout ça, là, c'était dans leur imagination. Le peuple en Centrafrique est en symbiose avec le président. Ils s'entendent très bien, tout se passe très bien. Et c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire le changement qui est en train de se passer va annuler, ça va annuler leurs espoirs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça va raconter des conneries. Mais la France n'est pas dans vos conneries, hein. Sachez que vous touchez aux intérêts de la France, là. Touchez seulement aux intérêts de la France avec ses intérêts. La France, toi, tu crois, attends. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu touches à l'intérêt de ces gens-là, tant que tu touches à l'intérêt là, mais sache que pour toi c'est fini, hein. c'est terminé, hein? Et continue à aller là-bas parler, son discours, il y a eu quoi par rapport à ce que toi aurais fait qui serait mal, il y a quoi? On n'a pas entendu. Le peuple qui dit, ah, le peuple souffre, ça ne va pas, ceci, cela, non, est-ce qu'ils pensent au peuple, est-ce qu'ils sont malheureux? Ils sont allés là-bas faire leur spectacle. Aïta, aïta, oh! 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 Ria! Ria! Kontaouru! On utilise ça quand on est malheureux. Ces expressions-là, on utilise ça quand on est malheureux, quand on soutient des malheureux. Non, mais arrêtez de prendre des gens pour des cons. Et tes cours de droit que tu as dit que tu as fait les droits, ben je me demande de quel droit. De quel droit tu parles? Parce qu'il y a droit et droit. Peut-être que, je sais pas, le droit avec les taras, là, dans la forêt là-bas, je sais pas, hein. Mais en tout cas, c'est pas le droit français, hein. C'est pas ça du tout. Voilà, je vais laisser la parole aux autres. Je pense que j'ai assez parlé à ceux soi-disant, je sais pas, juristes, hein. Je sais pas si ça fait appeler juriste ou avocat ou je sais pas quoi. À la noix, là. À la noix. Menteur. Tu n'es qu'un menteur, Ludovic. Mais tu mens. Ça fait, quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais waouh. Attends, il pense qu'il s'adresse à qui, là, au fait? J'ai fini. Juste une question, bien une impression. Il a quand même, il donne de l'argent à notre sœur Jennifer de Hippie et puis du matériel. Peut-être qu'il va aussi la rembourser ce jour-là. C'est un grand homme et un juriste en plus ou bien un gauchiste. Bah, vu que la sœur a dit qu'elle
qu'elle a amené ça en justice, je vais montrer à Ludovic que je suis quand même intelligente, hein, attention. Vu que la soeur a amené ça en justice, donc je n'ai pas à trop parler là-dessus. Le droit tranchera. Voilà, la soeur va amener les éléments qu'il faut à la justice. La justice va mener ses enquêtes et va faire et puis va donner une conclusion. Et ce n'est qu'après la conclusion de la justice que je vais revenir encore sur lui. Ria, ah, Ria, Aïta Aïtao, ouh, Bikalat, dans la Sango Lasso, hein. N'ayez pas honte ou peur d'appeler Sango, Banda, français, anglais. Ala Irindo, ici, il n'y a pas de complexe. La Vangere, Tonganaya, Sewa, ala Toka, cœur, à étoile, à Tongolo, na Mikaela, Kaindon. Mikaela, tu es une bénédiction pour la RCA. Pas que pour mon émission, est-ce que tu le sais? Même pour le monde entier, pardon, excuse-moi. Oh, mais je sais que je suis bénie, sister. Je sais que je suis bénie. Le Saint-Esprit est... Tu es trop rempli de Saint-Esprit, tu es trop rempli de sagesse. Mais à chaque fois, ils sont incapables de te répondre. C'est moi, ils viennent injurier. Tu as vu ce que tu as dit là? Demain, c'est moi, ils vont insulter. Hein. Oh, les injures! Mais les injures, c'est pour les faibles, quand on n'a pas d'arguments. Quand on n'a pas d'argument, comment moi là, je peux aller discuter avec quelqu'un, c'est-à-dire je donne les arguments, je parle, et puis après, en réponse, la personne se tourne vers moi et dit d'outil pour. Mais je peux pas parler avec quelqu'un comme ça. Ouh. Je peux pas. Ça, c'est quel genre de... Là, c'est rabaisser, c'est-à-dire c'est piétiner mon intelligence. Je peux pas parler à des gens qui ont le QI d'un asticot. Oh. Donc, ça glisse sur mon corps, les insultes. Bravo. Mais bien sûr. Bravo. Mais bien sûr. Là, je viens de lui prouver par rapport à ce qui est sorti de sa bouche que c'est un menteur. Ah. Que c'est un gros menteur. Ah. Voilà. Je n'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé. Voilà. Donc, s'il a ses problèmes avec le président Touadéra personnel parce que c'est son beau-frère, tu vas régler ça avec lui là-bas. Nous, le président Touadéra n'est ni beau-frère, ni papa, ni maman, ni oncle, ni quoi que ce soit. Pour nous, c'est le président. Il représente une institution. Et si la France l'invite, la France doit veiller à sa sécurité. C'est tout. Alors arrête de je sais pas, ils rêvent quoi, je sais pas, ils rêvent. Ouais, ces gens-là, ils sont derrière nous, rien ne va nous arriver. Celui qui a giflé Macron, là, il a été en prison, hein. Il a fait de la prison, hein. Et Michaela, On ne touche pas, hein, à Macron représente la France, hein. Attention, hein, Macron représente la France. Donc, allez toucher, je sais pas, chercher à nuire à Macron, c'est quand même la France si on n'est pas d'accord avec lui. Eh ben, il a dit qu'il a fait du droit. Le droit, c'est quoi? Quand on n'est pas d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? On dialogue, mais lui, il pousse à la violence. Il faut aller lancer la farine, lancer des œufs. Mais tu as fait du droit, mon œil. Quel droit? Droit de quoi? Droit d'où? Droit de quoi? Et tu sais, le gars... Le droit, hein? Est-ce qu'il a des enfants? Parce que moi, j'ai peur, hein? Ce genre de personne... Oui, d'après Véronique, il a deux enfants au Cameroun. Au Cameroun, Véronique, vous avez dit ça. Pauvre enfant, hein. Pauvre, je l'ai plein, parce que vu le conseil qu'il donne là, pour en tant que père, ça fait peur, hein. Pauvre enfant. Et on sait que le gars qui avait agressé le digne patriote Assimi Goïta, président du Mali, tu sais que le gars, évaporé, hein. Ah, laisse-les. Eux, ils pensent que, c'est le monde qui est en train de changer, hein. C'est le monde qui change, tout est en train de changer. C'est pas la RCA, hein, que vous le voulez ou que vous le voulez pas. Ce qui se passe actuellement à RCA, là, moi j'ai répondu à Ludovic Ledo. S'il avait fait tout son truc en français, d'autres Africains d'un autre pays va te répondre. Hein, actuellement, là, l'Afrique, là, je ne dirais pas que je dis centrafricaine, mais il faut que je dise que je suis africaine. Tout ce qui se passe dans chaque pays d'Afrique, ça me concerne. Et c'est ce qu'il oublie. C'est ce qu'il oublie. Hein, il est qui? Il est qui? On le connaît où? Il sort comme ça. Si tu veux des papiers en France là-bas, si tu veux des papiers, les Français savent qu'en Centrafrique là-bas, personne n'est agressé par toi. Et en plus, il utilise des gros mots. Hein. Exilé! Je suis un exilé! Hein? C'est toi-même, c'est toi, tu as été un exilé volontaire, c'est toi-même qui t'es transformé en exilé. C'est toi? C'est toi? Hein? Tu étais là-bas en RCA. Et en plus, hein, il est parenté au président. Hein. Mais attends, il croit qu'il va rouler les jambes à attends. Je sais pas, hein. L'OFPRA, là. L'OFPRA va voir ton dossier, il va dire, mais attends, celui-là, il nous prend pour des cons, quoi.
Vraiment. Merci beaucoup, ma sister Michaela Kindon. Merci aussi pour les étoiles. Que Dieu te bénisse encore. Merci, sister. Wow! Je n'ai même pas senti les temps passer. Tellement c'était doux. Les sisters, les bois d'heure, les appels vidéo ne marchent pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, mais ça ne marche pas aujourd'hui. Je dois rappeler le frère Sekou, notre frère de la Guinée. Les appels Facebook, apparemment, il y a un souci. Je ne sais pas pourquoi. Le frère Sekou, Faudé ne décroche pas. Il n'est pas connecté. Ah, il tente ici. Je vais l'ajouter. Il tente là-bas en vidéo. On va voir. La joie est en cours. Facebook a un souci aujourd'hui. La joie en cours, il y a un souci. Notre frère Roland Doraz m'a envoyé 530 étoiles. Demeure béni. Merci beaucoup à Michaela Adelaide Chokoro et à moi-même pour les étoiles. C'est cool, je crois qu'il y a un souci. Oui, Noir la Rose, mais je crois qu'il y a un souci aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que j'aime dans ce live, c'est que nous ne sommes pas comme nos frères centrafricains qui font des lives là. Nous, on n'est pas histoire d'eux, c'est mon frère, je ne dis pas. Nous, les femmes là, c'est nous qui allons nettoyer la toile. Vous voyez, Oro Panda là, bizarre le chaos, le faux du Bénin, poussière. Les autres là, Ike ramassé là tout. Les hommes là, vous avez peur d'eux. Mais nous là, c'est la femme qui va écraser la tête du serpent. Nous avons en ligne notre frère de la Guinée, Faux des Secours, mon frère. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Ça va bien et toi? Oui, je vais très bien. Ah, Ike. Sur le Facebook Live aujourd'hui, j'espère qu'on a un problème là. Parce que oui, il y a un problème. En tout cas, ma page n'a pas de soucis, n'est pas bloquée, mais c'est pas grave. Vraiment, on a envie d'intervenir, mais vraiment, bon, comme c'est tout bloqué, là, c'est vrai qu'on passe par WhatsApp. Bon, pour ne pas plus tarder, moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Je m'adresse au monsieur qui a fait la vidéo tout dernièrement en France ici. Donc, oui. Vraiment, je vois qu'il est jeune, mais il n'a pas fait le devoir des jeunes. Donc, au moment de la jeunesse, donc, il faut être un exemplaire. Voir quelqu'un qui travaille pour le pays, c'est mieux de le soutenir. Mais bon, par contre, on n'aime pas quelqu'un qui travaille en Afrique, c'est ça notre problème. Donc, peut-être, lui, il ne peut pas parler à la place de tout Centrafricain, ni de la jeunesse africaine. On prend l'exemple sur la rencontre de feu, le jeu qui a été fait au Cameroun. Oui. De commencer au central jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. On a supporté les choses à travers le président de la République. Donc, merci. Le monsieur, bon, s'il dit qu'il va aller salir le président, j'espère qu'il a tort. Parce qu'on dit souvent qu'en politique, la politique se nourrit d'une personne qui ne connaît pas la politique. Donc, lui, il veut se faire voir. Bon, il n'a même pas une capacité, sinon, il devrait faire une conférence, il devrait le Lafal. Au lieu d'aller rester au bord de la route que tu vas critiquer un président de la République, vraiment, c'est ça que je dis dans mon commentaire, je dis vraiment, c'est dégoûtant, quoi. Ah. Il devrait être un exemple. Il n'y a même pas, même je ne sais pas où c'est, il y a deux personnes même à la place, je ne pense pas. Donc, lui-même, il s'est fait humilier publiquement, mais il ne sait pas. Il sait que, bon, Aïta, bon. Tu n'as même pas avec les Itas, là. Itas, tu ne soutiens pas dans ton idée que vraiment tu fais pour le pays. Le pays est en voie de développement. Maintenant, là, le Centrafrique a commencé. C'est une nouvelle Centrafrique maintenant qui commence à aller. Mais quand on est jeune, il faut vraiment voir la réalité, ce qui se lève sur le terrain. Moi, j'ai vécu en Centrafrique. Pendant 8 ans, déjà en Centrafrique, toutes les élections étaient passées devant moi. Vraiment, je ne dis pas, tout le monde est mort. On est des êtres humains, on ne peut pas faire tout ce qu'on ne doit pas faire. Vraiment, des fois, il y a des fêtes, mais président, toi, déjà, tu changes pour la République centrafricaine. Voilà. Tous les centrafricains patriotes, ils veulent vraiment la paix. Voilà. C'est ça, survivre et le développement. Bon, il ne doit pas faire le contraire. Il doit se réjouir au niveau du président pour l'aider à son idée. Parce qu'il est là pour la paix. Il est là pour le développement. Il y a les exemples. C'est des années, à commencer qui?
le président, lui, il a fait beaucoup ça, lui, il a bien fait pour lui, mais tous ceux qui ont venu après, j'espère, bon, ils se sont enrichis autrement. Mm-hmm. Mais le président Touadéra, j'espère d'être dit qu'il a vendu le pays comment dire ça, aux Rwandais. Non. Ah, c'est la politique extérieure que le président est en train de faire pour s'installer. Ce n'est pas dire qu'il déteste les soldats centrafricains ou il les minimise. Non. Ça fait partie aussi de la politique. La politique extérieure, donc il faut de faire les bras longs pour attirer les gens et développer le pays. C'est ça, mais ça ne dit pas qu'il a vendu le pays. Il n'a pas vendu. Donc, il est en train de faire la politique extérieure de la République centrafricaine, parce que l'État, c'est une continuité. Mais lui, il est là aujourd'hui, on ne connaît pas. Hein. La personne qui viendra après lui, mm-hmm. c'est lui qui va comprendre que oui, le président, lui, il a bien fait. Parce que, qu'il soit Congo, actuellement d'abord, il est le président de la CEMAC. Ça, ça trop dit, ce n'est pas bien en Centrafrique. Mm-hmm. C'est un exemple. Donc, vraiment, moi, je voudrais juste dire au monsieur de mettre de l'eau dans son vin pour que, façon qu'il a fait, Aïta Aïta là, sur la rue, donc les Français m'envoient savoir qu'il dit que bon, le monsieur, il est quoi? Ok, bon, en France, ici, il n'y a pas, comment dire ça, il n'y a pas Mbaku ou quoi, là, peut-être que c'est ça qu'il a vu, il est là à parler, non, je ne pense pas. C'est peut-être les Français même vont dire que vraiment le monsieur là, j'espère que ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas 10 personnes même que toi qui as dit Ita Ita, mon groupe président, mon groupe Gozo, et puis na para. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Beaucoup d'années tu es en extérieur, tu n'as même pas une maison dans le pays. Tu as eu honte de le monsieur à travailler. Vous voulez qu'il vienne devenir le premier ministre parce que c'est son parent? Non! L'intelligence ne marche pas. Si tu as la hauteur, il va te nommer. Peut-être qu'il a la haine d'une part. Oui. Peut-être qu'il n'a pas de gouvernement ou on n'a pas mis dans le beurre, il va bien manger, mais ce n'est pas ça, mon frère. Le président est là pour travailler. Il faut voir les santé routières. Il faut voir les maisons qui sont faites. Les hôpitaux qui viennent de faire, je ne sais pas, Pékin, combien là, je savais ça un peu là. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il a envie de construire le pays. Vraiment, le président Touadéra, moi, personnellement, je l'aime. Merci. Donc, à mes frères centrafricains, tout centrafricain vraiment qui veut le progrès, sortez d'aller et le oui pour le référendum. Merci. Très facile. Quelqu'un t'appelle et dit que oui, on va se gêner. Donc, vous voulez qu'on fasse ça ou vous ne voulez pas? Ce n'est pas. Tu veux? Tu dis oui. Vous ne voulez pas? Je dis moi, je suis contre. Tant pis, c'est fini. Vous allez rester sur la route. Bon. Ici, ça n'est pas bien. Il va penser que oui, vraiment. Si le président vient avec Foucou Gozo, il voit. Lui-même, il a vu de manger Gozo. Il va Foucou Gozo, il va aller jeter ça là-bas. Et d'abord, il ne peut pas jeter ça. Mais pour ton information, il était dans le MCU. Hein. Il était, je crois, que même à la tête de la jeunesse hein, du MCU là-bas. Et qui serait parti avec une mallette d'argent. Oui, c'est ça que je voulais dire. Il a la haine parce qu'il voulait, de façon dont il voulait gérer. Le président a dit que non, dans ça, je ne peux pas m'en sortir. Donc, c'est mieux que. Oui, du coup, c'est toi de prendre un parent, il met à la tête d'une ONG ou même un ministère. Mais s'il ne fait pas très bien, il faut l'exemple encore à le faire quitter. Exactement. Parce qu'il ne fait pas la tête du pays. L'État n'est pas comme si une famille, quoi. L'État, c'est la continuité. Après le président Touadéra, d'autres aussi vont venir. Donc, on n'a plus de problèmes en Centrafrique. Le pays est trop fatigué. Vraiment. Le pays est trop fatigué. Ouais. Il y a tout dans le pays. Mais qu'est-ce qui reste? C'est de réunir les idées, donner la main, même dans la main, vraiment pour reconstruire le pays. Et maintenant, voir comment on va le mettre. Dire que bon, moi je vais travailler, toi tu viens casser. Moi je vais travailler, tu vas casser. Comment ça va aller? Ça va pas aller. Avec sa façon là-bas, vraiment, je ne suis pas pour. Il devrait être un exemple à son âge là. Il est plein jeune, hein? Il est plein jeune. Donc, il a arrêté ça. Il n'a pas encore appelé les Ita d'aller voter. Le 30, c'est mieux. Au lieu de dire qu'il va le Bolona Barakondo, ou le Nafuku Gozo, ou quoi là, vraiment, il faut qu'il l'arrête. Il faut qu'il l'arrête. C'est pas une bonne idée. Donc, il ne connaît même pas la politique. Hein? Il veut se faire voir, mais il ne connaît pas la politique. Ah. C'est vous. Tu as la bouche d'air. Il veut se faire voir seulement qu'il a fait droit, mais si consciencieusement, sa façon de faire, c'est pas comme ça, vraiment. Moi, juste un conseil pour lui, même s'il n'aime pas le président, il le laisse en paix,
Il prie seulement que le pays avance. Même ici, il n'a pas prié pour le président, mais il n'a qu'à prier que le pays avance. Donc ça, c'est pour tout le monde. Ça, si Centrafrique est devenu meilleur et construit et fait comment, c'est pour tous les Centrafricains, qu'ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes, orthodoxes, tous Centrafricains. Bravo. C'est pour tout le monde. Le président est là pour ça. Vraiment, moi, j'ai ma prière pour le président. Que Dieu le protège. Merci. Que Dieu fasse que les ennemis qui attendent de l'empêcher et de les faire fatiguer pour qu'ils restent à la maison. Le président travaille. Après, il laisse le pays. Quelqu'un qui va venir, on va voir encore ce qui est là. C'est tout. On ne veut plus de problèmes. On ne veut plus de problèmes. Bravo. On ne veut plus de problèmes. À commencer des années jusqu'à. Depuis à quelle année? Ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Vraiment, le pays ne veut pas être dans ça. Moi, profondément, le président Touadéra. Si je dis je l'aime, c'est pas parce qu'elle veut pas le travail qu'il fait pour le pays. Moi, j'étais là-bas. Je n'ai jamais vu un président centrafricain qui je n'ai jamais vu un quelqu'un qui fait comme ça. Donc, vraiment, c'est une chance pour la Centrafrique. Elle est Centrafrique. Mais est-ce que tu l'as déjà vu physiquement? Oui. Est-ce que tu l'as déjà vu? Bien sûr. Ah, ok. Bravo. J'étais là-bas, même au moment de campagne, après quand il était président, donc je l'ai vu physiquement, mais vraiment, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. C'est-à-dire de lui serrer la main, sinon vis-à-vis, non. Il m'a passé à côté. En tout cas, à travers l'écran, tu peux le saluer, lui serrer la main. Vraiment, merci pour ton témoignage. Je prie pour lui. Amen. Que tu le protèges. La force, la santé qu'il a commencé pour qu'il termine dans la paix et la tranquillité. Donc, vive la Centrafrique, vive les Centrafricains, vive le président Ouattara, vive la paix en Centrafrique. Singila! Les gens qui ne veulent pas travailler, abat les ennemis, abat qui veulent, c'est-à-dire faire la déstabilisation, s'il vous plaît. Donc, nous prions que Dieu le fasse fatiguer, que le président. Aïe de l'avant, donc à travers ça, c'était juste ma version d'aujourd'hui pour participer au live. Je profite du live pour saluer ma chérie, Béatrice Ouattara. Ah. Elle est combattante, oui. Elle est batteuse du poisson fumé. Maman, tu es Béatrice Ouattara, tu es faute de ses coups. La marché combattant. Bisous, maman Béatrice, oui. Bisous. Oui, je la salue très bien. Je passe à elle vraiment. Malgré que je suis en Italie, mais bientôt, merci. Avec elle sera là, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci, sister. Que toi aussi, que Dieu vous donne la force. Merci. Hey, j'en ai besoin. C'est gentil. Qui sait pas pour le progrès de la Centrafrique, que Dieu vous aide, que Dieu aide tout le monde et la paix reste toujours que la vie des gens vivant en paix. Singila. C'est ce que je voulais dire ce soir. Merci, ouais, merci. À très bientôt. Merci, au revoir. C'est notre frère Fode Sekou, Guinée-Conakry. Il a la bouche comme Kémita. Hein? Parce que Kémita a ramassé les ennemis de la paix. Ah bah! Appel, après c'est qui? Appelez, hein? Appelez. Ça ne marche pas ici, les appels vidéo. Ça ne marche pas. Noir la rose, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne marche pas. Je dois normalement appeler le grand Nico après maman Anastasie. Tac, mon téléphone a ma papa Songo. J'appelle le grand Nico. S'il ne prend pas, j'appelle Anastasie Mbada, ma maman. Peut-être qu'elle peut appeler. Ah, on a le grand Nico de donner en ligne. Bonsoir, mon grand. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Le son est bon. En tout cas, il est très doux avec le grand. Tena Kenenga Tala Baba. Oui. Il n'a marché pas. Il n'a marché pas alors que. C'est pas grave, en tout cas, on est en live. J'ai pas pu tout lire parce que j'étais très occupé. Et là, on est en live, donc tu peux. Là, tu es avec dans le live, non? Ok. Non, il n'y a pas d'écho ici, hein. Romaric Damaï, il n'y a pas d'écho. Non, je n'ai pas pu tout lire, sinon je ne peux pas faire le live et lire en même temps. Non, il y aura des soucis. Nous t'écoutons.
juste intervenir sur le point des gens qui parlent de notre pays comme s'ils parlent d'une bergerie, quoi. Est-ce que Condotti et République centrafricaine tout a quel contrôle ou à quel contrôle? N'importe qui se lève pour se prévaloir du titre foncier de la République centrafricaine. N'importe qui, hein. Son abandon même, hein, à Soaringa, même à la paix. Tenez ça. Parce que comme on est en France, on est dans un pays de liberté. Mais même si en France ici, c'est pas n'importe quel paysan qui se lève pour parler au nom de Macron. Avant de parler au nom de Macron, il faut que Moti quand même outillé intellectuellement. On ne peut pas se lever pour dire que je parle maintenant de ce monsieur qui disait qu'on doit enfariner le président de la République centrafricaine. Enfariner. Et à beau président n'a pas la condor, tout ça. Maintenant, l'eau, à son front intérieur, est-ce que le mot considération encore de retourner. Parce que si c'est demain, c'est lui. Bon, imaginons que c'est pas toi, Dera, mais c'est lui, président de la République. Ludo, tout ça là. Ludo. Le blague, président de l'armée centrafricaine, siège en haut, par raconte, ne foutu qu'au à tout le tout. Il sera content. Il peut pas, parce que le gosoming, ce gaspillage là. Ok. Donc quand tu veux parler, tu te mets à la place de la personne. Est-ce que toi, Dera, un jour lui-même, il a demandé à devenir président? Ou c'est le peuple qui l'a choisi? C'est ça. C'est le peuple qui l'a choisi. Mais tout le travail qu'il a fait jusqu'à présent, il a sacrifié sa propre vie à lui. Quand le Sénéca voulait le tuer, et c'est le Sénéca venait le tuer, ce PC là, venait tuer les dos, il venait tuer Toadera. Vraiment. Cela là, Agatifazoa. Bozizé est venu avec le CPC pour renverser le pouvoir. C'est la boule à toi, Dera. Elle a fait le mal. À forme massive ou à la forme massive. Il a tué plein de gens. Même à Kouati, à Meyazo. Posé dedans. Mais qui appelle en plus? Et aujourd'hui, on vient nous vanter les principes de bon sens d'un criminel à ciel ouvert à travers la CPC. CPC, c'est un regroupement de criminels. Exactement, et des idiots, bien sûr. Mais comment le monsieur là, Bitu comme de Facebook, a famille sur l'eau, à sa lettre à des tennis à concerner par Bozangazo. La famille Bozanga a écrit. Exactement. Tennis a engagé Louani.
Mais hier ou avant-hier, je l'ai vu sortir avec une barbe de bouc. Barbe de riche coringa, ça. Il sortait de la bouche. Quelqu'un comme ça, est-ce qu'il est normal? Claire, voilà. Normal, il ne peut pas raisonner comme ça. Il peut voir comment son pays a souffert sous le régime dictatorial des criminels. C'est le cas anti-Balaka, Bouzizé, etc. Mon petit souci, tu tenais criminel. Bon, toi, de la fatouzo. Gungu. La question que je pose, toi, de la a tué qui par rapport à Bouzizi, que tu es massi. A famassia yo, l'histoire a gagné et j'ai suivi dans le live de Chegué. Du titre l'autre là. Attends, yo le dragon à palais. On veut un criminel ou on veut un mathématicien. C'est ça. Je vous explique la tokenisation, c'est quoi? Monsieur Dolo Gele, il faut venir t'asseoir. Papa Terra Kenanga Tchala. La tokenisation, c'est une monnaie virtuelle. Aujourd'hui, le monde a évolué, le monde a changé. Les vieux là n'aiment pas les vieux. Ils ne sont plus dans la monnaie. La monnaie qui est fabriquée, monnaie CFA qui est fabriquée en France, à sa manière. Qui avait pris feu. Parce que à cette fin, à tenir, CFA nous a fabriqué en France, mais à ce moment-là, c'est réuni sa manière. Il y a plus de 10 000 employés, mais tu as entreprise à fabriquer le billet. Mais si tu es là, à quand entreprise les 10 000 employés seront au chômage, non? Ah oui. Mais qui a amené la fabrication de billets de CFA dans sa ville? C'est Valéry Giscard d'Estaing. C'est la vie de Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que les gens connaissent lui ou non? Allez, regarde bien ça, Mbana. Sa manière, là où on fabrique le billet de CFA là, ça la billet, c'est Iguarna Bangigan, n'a jeton à fabriquer hier. Ah oui. La chamanière. La vie s'appelle chamanière. Béni est ton zo, chama-chama comme ça, comme shawarma là. Voilà. Oui, chamanière, virtus, cadestre. Le calani, mère. Oui. Avant de devenir président de la République, c'est comme. Bon, je vous donne un exemple, c'est comme toi, Dera, qui est président de la République, a fabriqué Bieni na Damara. Ah, la Mondjouka, na Babanika. Cuisine, tu l'occasions. Voilà, donc ça me comprend bien. Donc, bien sûr, donc là, on appelle ça planche à billets. Vraiment. En jargon économique, on appelle ça planche à billets. Mais maintenant, le monde a évolué et de façon bien numérique. Exactement. Bien numérique, ça veut dire que mon petit Zahirini n'a eu qu'à la donner sans au coin. Il est titi là. Ah oui, il est là, papa. Mais quand il a donné, c'est ce qu'on appelle billet numérique. Mais tu vois, même en France ici, Mogonati pose la Timoso. Mogonati encore, Wesley Nona. Tu t'en tiens. Parce que
Ouais, c'est une honne, tu poses la France à l'histoire quoi, ben, à vous faire suivre par ligne. Mon Wani, mon Wogi par ligne, moi la carte de Plotimon, si mon Sara, ouais, c'est une honne. Mon petit côté, moi, quoi, les années, vraiment, les années, tout ce que je fais, mon poste de la France, comme ça, ouais, c'est une honne, pas qui pépé. Ah, et t'as dit, endossade encore un peu, hein. Non, ça n'existe plus. Parce qu'il est assis bien. Moi, tu te rends dans la bangue. On a un outil internet. Internet. Allez, exactement, ils sont. Toi, tu as ça là-bas. La colonne, ils sont. Ils sont quoi? Ils ont dit internet. Si tu es étiwara, tu es dans la colonne ici. Étiwara, bailleur de fonds. Allez, ils ont dit internet. Mais Drogue, il connaît pas ça. Drogue, il ne connaît pas ça, alors qu'il est en France, il a la connexion internet, disait là. Non, il ne connaît pas ça. Tu sais que à ce soir, moi, j'ai étudié dans Mbele Kaye. Mbele Kaye, tu as la tille. Ça, là, moi, j'ai Mbele Kaye, tu es école primaire. Tout un tien. Il y a des gens qui ne sont pas. Qui ne se cultivent pas. Alors, tu penses avoir en 1980, au Guinée, en bas. Alors que le monde a évolué. Gangou. Le monde a évolué et le monde évolue tous les jours. Les gens sont encore avec leur ancien système de monnaie. Aller à la poste pour donner de l'argent pour envoyer. Non, ça n'existe plus. Ici en France. Moi, tu te connais un poste, c'est en ligne. Tout est en ligne. Merci. Facebook, c'est en ligne. Ce que je veux dire là, mon essai, tu vois, quand la politique est en ligne. Euro, il te la CFA. Ah, monogramme, RIA. Et puis, monogramme, RIA. Tout est en ligne maintenant. Tout à fait, tout à fait. Merci. Tout est en ligne. Si tu vois, moi, demain, je la poste, je vais me dire, tout est allé, tout est à monnaie numérique maintenant. Donc, sans au coin, tout ça là. Mais toi, de là, c'est un mathématicien, il est en avance. Ouais. C'est ce que les gens oublient. Nous avons la chance d'avoir un mathématicien. Il calcule la numérisation. Il calcule en numérisation. Il est en avance. Et mais Dologuele est quand même un financier. C'est pas n'importe qui, hein. Non, mais Dologuele, est-ce que vraiment, moi, je suis dans les financiers, dans les financiers. Ah, il n'y a pas. Il y a une sorte de tenaise là. Bon, je t'explique. Les gens disent que Dologuele, il est financier. Mais si demain, je finance, moi, à spécialisation avec Bani. Ah, ok. D'accord. Voilà. Mais si demain tu finances à spécialisation, Delegué n'est pas arrivé au domaine de la numérisation. Le coup avec Bani, il a dit chez Landa. Donc il a dit chez. C'est le petit monteur. Le petit ça est fort, le grand-père. Non, hein. Il ne peut pas connaître comment on met en place la politique monétaire. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Et puis il insiste ça dans l'ignorance là. Matin, est-ce qu'il connaît la politique monétaire? Le signe a un diplôme sur sa politique monétaire, le fanat peuple centrafricain. Politique monétaire. Il faut le faire diplôme du peuple centrafricain. Bah. La politique monétaire, c'est différent des exécutants de
la politique. Il y a des exécutants de la politique monétaire. Il était un exécutant de la politique monétaire. Huh? Il n'est pas un théoricien de la politique monétaire. Il n'a jamais été un théoricien de la politique monétaire. Huh? Là, je touche du bois. C'est lui, est-ce qu'il a été une fois à la gestion de la théorie de la politique monétaire de la BAC au Cameroun? Non! Faux! Venez! Il a été que exécutant de la politique monétaire. Donc, le peuple maîtrisait Afrachi Sango Kouana et ne sait pas. Sanction avec Benjit Lon Chateau et exécution. Bigma bien, mais et son jumeau Ziguele qui semble le soutenir là. Non, mais les gens ne connaissent rien. Moi, c'est mon domaine. Je suis instructeur principal du trésor, oui ou non? Hein? Ah, mais d'où tu me donnes ici? Moi, Nico, je suis instructeur principal du trésor. L'association de l'école nationale du trésor public de Noisiel, ici en France. J'ai été aux États-Unis, j'ai fait la formation à FMI sur la politique monétaire. D'accord. Est-ce que tu me comprends? Très bien, papa. Voilà. Voilà la réalité, voilà la vérité. Donc, Dolo Gela Kegi, il a guichet sur le fatigué, il sait quoi? Donc, c'est non, un guichetier. Il n'a même pas été directeur à BAC de Cameroun. Mais pourquoi pas? Il n'a jamais été directeur. Mais pourquoi l'ancien président Patassé l'a pris comme ministre des Finances et après Premier ministre? Mais ça me tire ma Songo. Oh, t'es tu Mara? Mais tu me comprends ou tu ne me comprends pas? Non, mais j'apprends, papa. Je comprends et j'apprends. Ziguele, il était à Lomé dans l'assurance. Parce que c'est là que ça venait, non? Avec famille ou la famille? Ate immatera, a quelle famille ma, mais le tumba, dans le gué, le musique, le tumba, c'est ouais, le monde, c'est encore. Mais oui! Mais ils ont gâté le pays, le pas dodo là! Réfléchir comme ça. D'accord, papa. Nala Boubacar Doré d'ailleurs. Doré Guélé, lui, il était au Cameroun là-bas. Ah. Mais Patassé, comme pour la personne qui était inspecteur principal des douanes, il n'avait pas quelqu'un dans son cercle. Le mot famille local au Galania. Donc, il a commencé à asseoir son hégémonie familiale. Oh, ils ont gâté. Et après, quand lui, là, il n'a pas maîtrisé, il n'a rien maîtrisé. C'est pas possible. Oh. Et on l'appelait M. 10%, lui ou non? Oui. M. 10%, maman, il y a maman Teni ou maman Ben. Mima papa, maman, 10%, maman Teni. Moi, tu t'es payé, moi, 10%. Tu n'as pas la villa, tu n'as pas une cathédrale. De le dire, dites-lui, quand il est venu en Centrafrique, il avait combien de maisons? Il avait créé une maison, non? Aujourd'hui, il a combien de villas? C'est pas possible. C'est la vérité. Oh, mais le Boubana est quoi droit? Donc, guichetier là, fatigué, ils sont. Quand Dreguel était venu président. Président de quoi? De la République centrafricaine. Patassé? Non, pas président, premier ministre. Oui. Le constitution, on appelle ça constitution du premier ministre. Autant de quoi la Boumou était de 500 millions de CFA. Donc, on a tenté de l'augmenter de 1 milliard. De le mot 1 milliard. Parce que, mon petit. Et si le budget a voté, ouais. Attenez, compte ce budget avec 1 milliard sous, avec compte après contrôle après. Mon gars, il a ce premier ministre, il a ce petit nom, mon salaire, mon petit, à moi, 1 milliard sous, à virer dans mon. Mais il n'y a pas d'accord, c'est quand tu es dans ça, il n'y a pas de quand tu es dans ça. Le gars, écoute, d'accord, hein?
Mais tu n'es pas au courant, mais renseignez-vous. Vraiment? L'argent qui lui donne 40 millions par mois, là, c'est quoi? Ah! Jusqu'aujourd'hui? De l'aiguille perçoit 40 millions par mois, par rapport à quoi? Mais on devait saisir ça, puisqu'ils disent que la RCA, il souffre là-bas. Mais on devait saisir son loyer. Non, il ne souffre pas. Donc, on a mis une villa dans le consul, mais il y a un auto qui est basé dans la cathédrale. Mais il y a une république africaine là. Mais donc, il faut que la justice mette la main dessus, très rapidement. Nidjati, là. Mais comme notre président, c'est un jument foutiste. Aïe, son affaire de bon cœur, là, va nous tuer un jour. Ouais, Faustin, archange, toi des droits. C'est un jument foutiste, il veut jamais... Papa, c'est enregistré, hein? Non. Oh, chez moi ici, c'est archivé, papa. C'est archivé. Dis tout, papa. Amblenga Kema. Moi, j'étais à Bangui avant de prendre le chemin de l'exil. J'étais le dit au temps de Kolimba. À 92. En 92, j'étais le directeur adjoint de la. Du budget de la République africaine. Ah, donc tu as des villas aussi là-bas. Avec Teneko Joa, le défunt Teneko Joa qui était directeur à l'époque à la Banque Centrale, qui a Kolimbala débouché pour venir en France, à Bangui. Parce que Teneko Joa, lui, il était directeur. À l'issue de l'OGSA, regarde, Jean. À Guichetier. À Guichetier. L'autre dit, est-ce que tu vois quelqu'un qui maîtrise son domaine, il ne peut pas parler au hasard comme ça? Non, il ne peut pas. Mon œil digital, mon œil ceci, mon œil numérique, il me fait mon œil. Ah, Falabi, papa, pompez beaucoup de pouces de cœur, s'il vous plaît. Pompez. Papa, à la fin, il preuve tout, ma. Oh, tout, hein. Tout. Je parle de mon œil digital, je me connais numérique. Je parle de mon œil judiciaire, mais tellement bien, mais tellement bien. Ah, la t'es quoi, papa? T'es là, oh. Ah, la t'es là. Mais vraiment. Allô? Papa, dit Ikema là. Ikema là. Allô? Oui. Le réseau. Non, c'est le réseau, mais Ikema là, papa. Yeah. Allô? Oui, on est là. Allô? Oui. Alors? Oui. Allô? Oui. Aïe. Allô? C'est le réseau. Vous pouvez me rappeler si. Pompez. Yeah. Affaire sur batterie. Pompez. C'est archivé. Allô? Ah, mon cas, papa. Mais c'est bon, je prends le contrôle. Toujours. C'est au contrôle. Moi, je suis en train de t'expliquer ce qu'on appelle le réseau monétaire. Je parle de dire, il y a des réseaux judiciaires. Il y a des réseaux monétaires. Oui. Il y a des réseaux intermédiaires. Ceux qui détiennent. Mais est-ce que maman, de regarder, t'es déjà un réseau monétaire? On dirait le gars qui a menu sa paix. Modèle qui monnaie, monnaie-là. Est-ce qu'on appelle même le morceau, et puis qui l'a nécessité ce moment, monnaie qui n'a pas un espèce à chèque à Keda, virement Keda, virement d'A, puis encore. Dépôt. Il y a au moins 4 mois. Dépôt à d'A. Est-ce que maman le tenait? Ah, on dirait, attends, mais nous sommes à l'arrivap, à Nangomini, dans le pompe, s'il vous plaît, écrivez. Mais il est exécutant. Niveau de guichet. L'autre exécutant, l'autre payeur. Ah, le payeur, hein. Mais il a le niveau de payeur, il n'a
BDAC. Oh. Le Mayani Pepe. Mais pourtant, tu me montres 10% le Mayani Dien. Hein? Tu te le montres 10% sur le Mayani Dien. Hein? Oh, tu dis pour sonner le intégral petit frère de la Zidouane. Là, on a dit caché que moi, 10%. Hein? Ah bon? Mais c'est la vérité. C'est là que Patassi a découvert. Et là que Patassi a découvert sa tumbalo, voilà, ou bien. Mais ta CP à son âme était complice? Non, il n'est pas complice. Il a constaté que c'est dans mon meilleur zoom. Tu mets fin à ça. Ah, ben au système. C'est comme ça que ça a mis fin à son système. Hé! Hey! Mais pourquoi il n'a pas été emprisonné ou bien amené à la justice? Bon, si c'est ton enfant qui fait ça. Ayo. Et toi, c'est Sangola, tu vas le mettre en prison. Ah. Et tu vas seulement le mettre à l'écart. Ah, je comprends. T'es un petit famiso du Songo. Ok. Ah. Voilà, c'est pareil. Ah, mais le gars, il a échoué partout comme ça. Donc, il a la colère alors. Je te parle de ce que je connais. Oui, oui, oui. Je ne peux pas te parler de ce que je ne connais pas. Exactement, papa. Exactement. Donc je dis, ces gens de monsieur, ce sont des gens qui ont profité du système de Patassi par affiliation. Mais comme à cette époque-là, le pays était insécure. Le pays était insécure. Fisca. Ça veut dire que Patassi voulait se forger une armure familiale autour de lui. Oh. Mais ces mêmes familles-là l'ont détruit. Oh. Aujourd'hui, ils sont tous devenus des opposants, non? Oui. Maman, là, on a dit Patassi. Là, comme maman, donnez-le la tenue. Grâce à Patassi, là, il est négatif. Mais là, comme maman, grâce à la patasse. Bon, Drogué, il était au Cameroun. À Yaoundé. Là, comme maman tenait, grâce à la patasse, là, mon mina Yaoundé, à Galam, la Bangui. Mais pourquoi il le dit jamais? Il était au Togo. Là, comme maman, le Gonaïa, c'est assurance. Là, comme maman tenait, Zigra tenait, grâce à la patasse, là, mon mina, c'est à Galam, la Bangui. Donc là, ils sont des ingrats. Oh, écrivez ici, ils sont ingrats. Écrivez, Pamphile Amoloma, écrivez, ils sont ingrats. Mais c'est méchant, comme je disais, méchant. Des ingrats. Oh, mais ils sont maudits aussi, toi, hein. Toi, Dera. Oui, Patassi est revenu par des voix incultes. Est-ce que toi, Dera l'a reçu ou l'a reçu? Non, il était revenu au temps de Bozézé. Je parle de Bozézé. Oui. Bozézé était revenu par les chemins incultes. Ah oui. Est-ce que Touadéra a recevoir le pendré à Moulolo a avantage ou à Touadéra Moulolo avantage? Mais le président Touadéra l'a presque attaché au dos. On a failli s'évanouir. Il l'a presque attaché au dos. On dirait que t'as... Maman l'a causé qu'il est. Zigele, quand ce Patassi à Londo à Kirso, Zigele là, la Drogué, ah, t'es le jour de petit, c'est Patassi à Londo. Là quoi, mais pourquoi? Zigele, à quel moment Patassi à Londo au tribunal, on a été prononcé MPC. C'est pas possible. Zigele, t'es un gars patron, c'est MPC. C'est faux. Président Sam, à mon moment, on a l'homme à Garani, à Gam, nous même en prémisse. Après, à Gato, en tout cas, mon gars, président, c'est MPC, ouais. Zoné à Gachou d'Antenay, qui l'a mis pour ce n'est pas qu'à, ouais.
Mais. Mais pourquoi il a fait ça? Mais attends, mais tu connais pas l'histoire? Mais si j'ai appris que. Voilà pourquoi. Zigzag! Était parti au candidat et à l'élection présidentielle, candidat libre. Oui! Non, mais on était choqués! Alors que le président Touadéra, en tant que vice-président du KLK, a dit que si Bozézé revenait au pays et se présentait comme candidat, lui, il lui laisserait la place. Lui, Touadéra, ne serait plus candidat. Mais alors que Ziguele n'a pas fait comme ça! Oui! Je parle de Patassé. Oui, mais je sais! Oui, j'ai dit que contrairement à Touadéra, Ziguele a été ingrat! Il aurait dû se retirer! Comme candidat. Voilà. Voilà. Babani, il a combattu. Il a combattu Patassé jusqu'au niveau du tribunal. Mais c'est pas gentil, ça. Quand même, il était pas à Centrafrique. Drogué était au Cameroun. Un petit agent. Est-ce que là, quand on a mal le Sabango du Quatrochi, BS, là, quoi, papa, là, quoi, peur. Il m'a dit, après, j'ai fait mes actes, le dit échec. Tout à fait, média, t'es en fait. Non, mais il exagère, le garçon, là. Il n'y a pas d'autre fils de la Bible Saint-Martin. Question. Qui pourrait être ministre de finances à part toi. Question. De Michel Orko, il n'y a jamais eu un autre ministre de finances. Question. Il qui maté la famille. Mais autant de Patassé, Papa Nassin a nommé premier ministre. Il a conservé son poste de ministre de finances. Hey! Non, papa, mais ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Papa, il m'a dit, il m'a dit, sa parenté, il a que souffrir, il a aéré, ça a l'air dans les soins. Il m'a dit, papa, t'es là, qu'est-ce que tu as là? Oh, bless. À l'époque, j'étais percepteur de la ville de Bangui. Hein? Oui. Non, mais il avait trop. Il était le percepteur de la ville de Bangui. Prochain téléphone ici, tellement Jérémy, papa, allez augmenter ici. Mais deux postes cumulables. Mais c'est. Non, mais là, c'est un scandale, papa. Là, c'est un scandale. Mais c'est grave. Moi, je ne veux pas faire la politique.
Amen, papa, de pas que bénira là. Mais excusez-moi, papa. Donc, si on comprend bien, est-ce que Dolo Gele a du mal avec le président Touadéra parce que le niveau de Touadéra n'a qu'un ami qui est à toi et toi là? Non, il n'a pas. Il n'a pas. Si tu veux, intellectuellement. Intellectuellement, il ne vaut pas Touadéra. Oh! Djapa. Qui est comment? Un mademoiselle, c'est prévisible. Prévisible. Voilà. Un Dolguin, c'est un exécutant. Un exécutant. Papa n'a guiché. Ça veut dire que ce que les prévisibles, ils ont fait la théorie. Donc, il y a un guichet qui est le Satouli Pau. Oui. T'as un guichet, ça. Papa, il est magala, tu es mon so. T'as dit quoi? Oh, papa, tu as courage, hein? Il m'a, papa, il m'a là. Balda. Donc, tu vois, il faut comparer ce qui est comparable. C'est ça, même le président, tu es mon balo, maïka là. Président Touadéra Ibarra là. Balo, kolo, que maï. Donc, le président Touadéra, c'est un mathématicien. On dit toujours. Il y a la théorie. Quand il y a la théorie, mais on passe à la phase de l'exécution. Parce que même à Port-au-Prince, il y a eu la théorie, phase théorique. Oui. À ce soir, à sa théorie, si tu es à Gombe, et tu es à sa rapport à téléphone portable, à la Nandouzouka. Donc à la double façon à exécutionner par rapport à telle cellule exécution du corps formani les cellules d'exécution à 6 millions. Nous faisons à théorie, mais il y a ce qui est bien ça là à la commande de pyramide à la bâche à ce jour je comprends ça il m'a donné tout. Avant de porter mon assigné. Alors, le portable que toi et moi, on utilise. Mesmin. Oui, papa. Il y a eu les théoriciens, Touadéra, qui ont conçu le théorème. Oui. C'est comme Pythagore. Un jour, il s'est endormi sur les premiers. Et puis, il a dit que c'est à ce moment qu'il a trouvé ce que l'on s'appelle le théorème de pesanteur. C'est comme ça. Mais oui. Bravo, Kossi. Aujourd'hui, on continue à étudier le théorème de Pythagore. Oui, papa, bien sûr. Voilà, mais il a fait quelle université? C'est comme nous aussi, Dieu nous a envoyé un Touadéra qui est là, c'est notre Pythagore. Oh! Ça t'entient. Mais papa, bon, quand même. Le guichetier a quand même été deux fois aux élections présidentielles, hein, quand même, le guichetier quand même deux fois, hein, dans les urnes, hein, quand même, hein, un peu de respect pour le guichetier. Deux fois, moi qui étais le gars président. Bon, je vais t'expliquer un peu l'histoire de la République française sur Azou. Merci, Tugès. Arrêtez de nous mettre dans le dossier constitution, le référendum. Son ami déjà, il m'a oua. Parce que aujourd'hui, avant-hier, un ancien président de l'Assemblée nationale française, Olivier Ferrand, qui a dit que il faut que Macron soit en troisième mandat. Oh, il scandale, il peut tirer.
es dans la quoi, avec papa. Tu es dans ce pays d'appel. Mais s'il y a référendum, il faut-il voter. Non, mais je te sais comment l'évolution de la Constitution française. Parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas. Il vient de te laisser. Quand la 1789 à Kindaroua, après, on sort à la République. Ferrand en a parlé. Oui, j'avais reçu ça aussi, je crois, par message. En 1873, en 2008, c'est... la France a instauré ce qu'on appelle le septennat. Oui. Donc, à élire mon président, à élire mon 7 ans. Bon, il n'y a pas de ce qu'on appelle une limitation de mandat. Après, élire mon 7 ans. Si tu demandes mon travail, il me donne qu'à élire mon 7 ans. Voilà. Parce que la première loi de la démocratie, c'est le référendum. Il est bon. Tu dois donner le choix au peuple. De décider. De choisir. Voilà, de choisir. Donc, Abondi, Agassine, imaginez, depuis 18 ans, du 1973, Agandi. Excusez-moi, on a fait 3 heures déjà, on va conclure. 3 heures, ouais, papa. Donc, et conclure. D'accord. Merci beaucoup. C'est-à-dire que nous, au pays là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui informe le peuple avec ces exemples-là. Alors que ça regarde, à le gars, tu cliques ton souga, excuse-moi le terme, elle a du coro-coro. Patron de la France, non, Macron tente actuellement d'imiter Ouattara là. Là, Macron prend des courses chez Ouattara pour un troisième mandat. Il va forcer jusqu'à on va se blesser, on va rentrer chez nous. D'accord.
Est-ce que Mitterrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a dit qu'il faut supprimer ça pour permettre au président actuel, il s'appelle qui là? Macron, Nicolas. Macron, qui a pris trois mandats. Emmanuel Macron. Il faut supprimer. Bon. Voilà, il faut supprimer ça pour permettre d'obliger le troisième mandat. Parce que. Il va falloir qu'il nous consulte. Ça existe après. Il n'y a pas papa. Mais il faut Macron a consulté. Parce que dans le délai, il doit voter. Mais le Tegozan, il dit là. Ah, d'accord. Merci. D'accord. Merci. Merci, papa. En tout cas, vous serez notre deuxième consultant après Michaela Kind. En tout cas, merci beaucoup. On apprend tellement avec vous. Mais il est 22h. On a déjà fait 3 heures de temps. En tout cas, c'est très enrichissant. Mais tant qu'on n'a pas voté le référendum, on va continuer à en parler, papa. À chaque fois, vous serez même mon invité privilégié. Vous êtes vraiment une bibliothèque comme Guantika, papa. Merci beaucoup. On va continuer plus tard. Merci papa. Courage. Merci papa. Femmes, il ne faut pas se laisser intimider par les hommes qui se disent ceci, cela. Merci. Merci papa. Bikel Louting, gang ganga papa face na appétit soir. Merci papa, merci beaucoup. La pas bénira là. Merci. Wouh! Beaucoup de pouces, de cœurs, de likes pour notre papa, Nico Dieudonné. J'appelle maman Anastasie et puis on s'en va. Elle avait un conseil à donner. Maman, je t'appelle là. Anastasie, maman, je t'appelle et puis on conclut. 3 heures, ah ouais. Et maman, tu le conclure, ah ouais. Kang Miterechi, merci beaucoup pour tous les pouces, pour tous les cœurs. Côté Salomon, merci. Maman, il faut décrocher, Mbada Anastasie. Je l'appelle, il faut qu'elle décroche. Allô? Allô, maman? Ah, là, elle est clôturée. Vous, la sang, maman Chimbi. Voilà, c'est à mon tour. Oui, vous êtes la dernière. Voilà, ma soeur, qu'on a n'inga trop, je ne veux pas rester longtemps. Merci, maman. J'ai deux mots à dire. Deux mots. Ah, de la même famille. Si Gango, si président de la République, Zokwa, mami. Zokwa, Zokwa, qui est ma maman. Zokwa, qui est ma. Amen. Si Gango, tu te déras, il est coué, il doit être du vourou bongo. Saute un tien. De la tête au pied, vourou bongo. Ah ah. Et puis il coué, bongo, pour la paquette, tu paracondes bien, on a dit. Oh. Paquette, tu paracondes. Tu ça, là, hein? Oh, écoute, il y a un bongo, on a dit ça, la photo. Quand t'es à fond, là, bongo, tu. De quoi, tu parles, il coué, il coué, il coué, il coué, il coué, quand t'es à fond. Amen. Maintenant, je tue ton jeu. Quand la mission est dure devant ta adresse, il est quoi? Il est vous, mon bonbon. Parce que ta adresse est notre ange. Amen. La palate calonati. Amen. Il est bon goût, tu l'as dit. Amen. Si c'est bon goût, la contre-afrique. Si il y a corotin en 12 ans, ton lot a déjà grandi d'après et qui est pensé dans l'eau. Hey. Mais avant de le d'appel, il faut honorer nous. Eh oui. Maman, venez prêter une jambate. Maman, ne pas te louer, Jésus. Maman, ne pas te louer, Jésus. Maman, ne pas te louer, Jésus. Amen, Jésus. A que gratuite reconnaissance vis-à-vis de Jésus là. Donc, maman, à la fois la paix. On veut dire chanter pour lui. Comment ne pas le louer, Faustin? Comment ne pas le louer, notre Faustin? Comment ne pas le louer, Faustin? Faustin, tu. Oh! Tout est maman! Quand maman,
Ludovic Akuchi bi na para kondo kasi mama Ludovic chatwen. Kage bi na para kondo so. Ludovic. Donc à la quoi que bolo. Damana, jaune étoile, ça toka des autres, toka étoile, tu jaune nan ici. Amen. Étoile, tu jaune comme sur le drapeau. Maman, merci maman, j'ai pas bénir à la bisous bisous, merci. Amen. Là, c'est notre maman Bada Anastasie. Merci, maman. Bonne soirée. Bisous. Gangou Wali Ali. Allez, bisous, ma chérie. Allez, voilà. Au revoir. Allez, ma, hey. Allez, autre chose. Hein? Est-ce que moi, il y a que Bangui, c'est quoi, tiens, Ali? Bangui, hein? Merci. On a la machine, on a quoi, tu m'as, on a. Donc, il faut être tout bas. Ah, je n'ai pas eu mon cordon là. Donc, il Sylvia Bangé. Organisation bigot bigot voli bigot tout bas comme les gars 21 à les gars 12 à voir ça armée française militaire français. Oh merci maman, Bangui c'est chez nous maman, mais on doit tout acheter avec l'organisation mais maman bigot tout bas au quoi ils vont donner. Merci maman, il faut les récupérer. Amen. Merci maman. Merci. Bisous maman, au revoir. Mais Noir la Rose, tu as disparu. Mais il est finir là. Je t'appelle ou pas rapidement. Noir la Rose, tu as demandé à parler depuis. Bimon. Et puis on conclut parce que là on a trop duré. Comment ne pas te louer, Jésus. Noir la Rose, tu es où? Noir la Rose, Noir la Rose, tu es où? Noir la Rose, je te donne 5 minutes rapidement, ma sista. Noir la Rose. Noir la Rose, Noir la Rose, Noir la Rose. Allô? Allô? Oui, ma sista, parle fort. Tena kenanga ti mon comme du coach Amon, ouvre ton gosier. Mais t'aurais dû appeler Bigrisa comme t'as pas écrit de commentaire là, ni là. Maman, conclure la yi, maman ti. Ah, t'as raison. Du tout, maman. Et puis on va seulement dormir. Il faut la taguer Ludovic. Ah, il besoin pas. Donc déjà depuis le début. Demain le temps de le répondre. Le lac béni depuis. Voilà comme le gesso le mami. Bi Flora ma batala. Quand je l'ai dernier 6 mois, actuellement son dernier 6 mois paye Ludovic Ledou. Ah bon? Puisque moi j'ai dû confaronner mon téné, mon beau-frère, tu toi dera. Mettons le mot beau-frère, tu toi dera.
Moïga bien. En fait, m'expliquer histoire là, n'y a Maman. A te mettre kota fanfaron. Fanfaron a que maman na sango. Fanfaron na sango minga pe pardon. Fanfaron a que zoso. Le ke pika kate plo na ye solo na nia pe. Oh! Te na za baton na lu ke ye solo e ke nia pe. Yeah! Maman y vero, vero e gage Jennifer. Hein, dis tout. Donc, comme première dame, Bandi, y est sur le tenor à tes beaux-frères, tu n'y es pas. Comme première dame, à tes bandiri. Le quoi, le bandiri. Oh. Bien, voilà. Dis quoi, le bandiri. Donc, il y première dame, Yaya. D'accord. C'est lien de sang ou bien lien de Mbandiri seulement? Lien de Mbandiri seulement. Oh, mais dis donc, Michaela, on apprend des choses ce soir, hein? Dis tout, maman. C'est pour cela que maintenant, la zade à la tête, c'est quoi, où Dieu, mais que tu déconstruis. Maman, t'es là, que là, tu m'en, j'ai tout mon temps. Donc, attends, ça, c'est le bal qui agate, parce qu'elle m'a dit, elle a été ton âge juif, elle a. Bon, elle a beaucoup de famille, mimi, qui a fait, mais de loin, elle a été mon âme, et quand elle a été tu vois, elle a été. Le bâton à ça, ouais, le tenait bon, comme c'est super fanfaron. La loi, elle a été son, ni que Gauthier tenait, ni bac, à voir, elle a ni place. Oh, la première dame, elle n'est pas comme ça. Ton coliture, alors, c'est quoi? Alors, que tu as la torse, puis tu tenais ton musica, ouais. Moi, famille, tu m'as mis installé. Coucou, quoi, ça? Non, elle n'est pas comme ça. Gondo, tu l'as l'ondoki. Ça descend. A Gondi, le gars, le tenon, il connaît l'association. Si. Pompette la famille. Le gars nous crée une association. Après d'abord, c'était un type de tournement. Le gars de l'Inami Milani MCU. Ah bon? Oui. Renseignement femme bila. Parce que mes ténénal, mes moi, le quoi qui a famille là. Le que ma moi son du flora ma bata parce que ton sur le bas mi ma kete ma bata mi me gete ma bata Sylvain la tu as fait étrangère. Je suis ta nièce mais tu je ne suis plus ta nièce puisque mon goji tenait mon goji sali et que sali. Donc là ce famina c'est fini, coupé Niam en deux sur mon live. Bon, il y a du Sony sur le Sarasso. Est-ce que son Johnny Zola, le Johnny Zopé? Non, tout fait en Zola. Mon bani. Hein? Tu sais, c'est une pourquoi? Voilà. Donc, quand c'est le gars de Ndingidja, on a ni. Le Ndingidja. Quand il est en chauffé, il a écrit. Donc, écrire. Tu tenais, la première dame, la présidente, tu tenais. Et Denis Tosso Kassa, tu tenais à Zitene Nadichini, à la report, à Gourmand, à Bétinala, là, quoi, Pestas. Ce qui a fait que le noir a suite n'a plus. A dit Ndatizwa, Ndatizwa, on dit. Mambisi, allô? Oussi, allô? L'on dit Ndatizwa. Le détourné Ndatizwa. Yeah! Maman, t'es tenu? Donc, Gonjo Chiloni à Londoki. Parce que Nadine Bétine, il faut te casser à Gomen, Nadine Bétine, il faut le tenir. Et pour te comment ça se fait, n'est que famille, tu vois, tu dis première dame, Nadine, Nadine, mais première dame, le dis le zo, tu chantes, moi, il a ce qu'on est en soi, mais il faut, mais moi, famille, tu me dis ça, ou il faut ton saut, il faut, ah, tu tenais la famille, tu m'as piqué à Katéna, mais son. On a conduit à la yé, à la Sony Sopé. Et là, le yé, tu m'as fait de le profiter, Nani, le fanfaronné, Nani. Yé! Bah, yé,
sont à solo, sont là. Et puis, oser dit le glotternier, beau frère, tu toi diras, sauf si nous que ça dit, toi diras, sur le bâton, on a une chère, la première dame. Vraiment? Arrêtez de dire que beau frère, tu le puces, que le salut, quoi lui, tu, première dame. Et puis la première dame, là, ça, quand tu as mis une de bon, tu sens que bref, mais arrêtez, que Nathan, on va mis quelqu'un qui a une bien sur un bien. Mais donc, oncle, tu m'en là? Oncle, un bilan. Mais donc, on a maintenant, j'ai dit, il faut pas, hein? Il faut que moi éviter loin. La photo qui m'a balle, ouais, le mon pin à l'autre, le bois, mon capé. Bah, la week-end, ce mois-là, bah, t'es rendu. Bah, week-end, soyez ching binalo. Et ching de boubana guyane. Sautez ching. Tu le yet, le guet, le terme, le titre, le tapé, le guet, le salier, so, il goule, le fanga guina, n'ta quoi, kamena boulot, tu t'en le tenez beau frère, tu président, ben. Sur le boubana, sur le guet, bon à soi, là, so. Mais peut-être. Il faut arrêter de tenir le beau frère, tu loues. Parce qu'on ne fait pas ça à son beau frère. Mais si le beau frère mais aussi. Mais lui, tenir dans le corps, nous gâtis, nous manquer dans l'espèce. So, mais tenir dans le guet, le mami. Peut-être que le beau frère, n'est quoi, dur, mingi, à ça, le cal, et puis, grand chan, quoi, ça, la cal, mingi, là, zi, casse, les gars, petitement. A besoin de sa cal, tigne, mon qui quoi, mon sala, mon qui quoi, mon qui quoi, mon sala. T'es un sola. Et puis quand je n'ai quoi exprimer son yati famini exprimer son quand tu l'as dans la peau tu t'aimes comme ton soir ouais mon taouais ton soir à yati famini la peau mais comme le c'est un pharaon de première qualité yeah dernier soir solo sola vraiment quand le watu sur un doigt. Le révérend, le général Camille Makoso. Papa, on vous salue, hein? C'est la Centrafrique, hein? Papa, téténé. Il y a le révérend Makoso qui est là. C'est la Centrafricaine, papa, bonsoir. Donc nous, on sera là-bas pour accueillir le président. Non. Oui. Exactement. Saint-Haineux. En tout cas, vive le président, toi, tu vas dire, c'est ça. Vivement le nouvel ordre centrafricain. C'est en marche. Donc rendez-vous samedi, hein. Il a qu'à chercher à travailler comme tout le monde. C'est tout. Il faut qu'il rembourse la sœur, hein, Véronique, 800 euros. Voilà. Donc il faut qu'il arrête avec ces histoires de ouais, c'est mon beau-frère. Non, on fait pas ça à son beau-frère. Et c'est pas son beau-frère. Ah, donc c'est un menteur. Oui, Nickel a raison. Frère. Oui, c'est son beau-frère, mais s'il se comporte comme ça. Ce n'est plus son beau-frère. Plus de la famille, il n'est pas le beau-frère du président, je suis désolée. C'est terminé. On coupe Ignam en deux. Je suis désolée. Et oui, moi, je suis du côté du président. Ça veut dire que si moi, du respect au président, ça veut dire qu'il m'a manqué du respect à moi aussi. Bravo. Vraiment, on a quand même le bannir de la famille comme ça. Mais en tout cas, avec toi, c'est terminé, hein? C'est fini, non? Vous n'êtes plus nièce et oncle. C'est fini. Ça, c'est beau à distance, comme a dit Jolan Zoko. En tout cas, merci pour les révélations. Merci, ma soeur. Donc, rendez-vous le samedi là-bas directement pour voir le président. Merci. Hé, Claise! Mon pasteur, général Makoso, c'est pas comme ton chouchou, le faux du Bénin, hein, avec sa cota lila. Hein? Makoso, c'est pas n'importe qui, hein?
Hein, comme a dit Michaela, tellement c'est doux, là, le général est passé par ici. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Live en direct. On a fait, je crois, même 3 bonnes heures. 19h, je crois, 15h. 19h, 20h, 21h, 22h. Vraiment, Yann Djeré. Live en direct. En tout cas, famille, vraiment, merci beaucoup. Vous avez vraiment assuré, quoi. Parce que je me demandais avec Michaela et d'autres sœurs comment on pouvait répondre à Dolo Guélé. Mais Dieu est bon, Cheikh l'a déjà fait hier. Et monsieur, notre papa Nico aussi l'a fait aujourd'hui. Comme ça, pas besoin de répondre à Dolo Guélé. Je pensais lui répondre jeudi. Mais ce n'est pas la peine. Voilà, ce n'est pas la peine. Comme ça, je vais me consacrer à mon travail et puis à l'accueil du président. Parce que le père de la nation sera dans ma place, hein. Donc voilà. En tout cas, soyez. Celestina, Nicolas, attaque fia, à la Wabisande. À la Wabisande. On a fait un super boulot. En tout cas, je suis sûr et certain que c'est grâce au moins à 50% de mes sisters que l'âme l'a monté. Parce que les femmes, depuis la Bible là-bas, c'est toujours les femmes qui sont toujours devant, toujours les femmes. Toujours les femmes. Et comme a dit papa Nico, d'être forte, de ne pas baisser les bras face à toutes ces injures-là. Et le général Marco, ce qui est là, chaque fois que je peux le voir, il me dit toujours, ma fille, dès qu'il y a un truc, faut sortir. Sauf que mon compte-là, il ne le connaissait pas. C'est le petit d'assaut. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais en tout cas, c'est arrivé. Voilà. Lui et moi, c'est par WhatsApp. Bon, le général, comme c'est le king des réseaux sociaux, il est arrivé. C'est pas les panda king de Claise là. Hein? A panda king, tu as déjà, à Ralph Lauren, tu as déjà couroyé. Chop, dit le Kogina, Kaso, Boubazozo. Bon, on a fait même 3 heures de live. Hein? Ouf, Michaela, son révélation, son chicote, son frappe. Hein? Hey, Michaela, fia. Max Kwendo. Eh oui, tous mes respects. Ben, merci beaucoup. Bisous, Elise Wamongene. Merci beaucoup. Même à tous ceux qui sont restés derrière là-bas, qui nous ont subi. En tout cas, mais l'angoisse de ma bisota penza. Ah là là, c'est la langue, pas la question café. Augmentin, théabé. Il m'a la dit fia. Maman, t'as pris le train en marche. En tout cas, pas grave, maman. Tu vas au revoir après maman Christelle Guito. Merci beaucoup pour le soutien. Bertrand Ballet, toujours pas d'étoile. On sait pas que toujours pas d'étoile. Ah, quand on a la curling, mais on a l'étoile Kamingi. Mais là, c'est Doraz, allô, Lulti dans 12, notre frère Doraz qui me soutient beaucoup, m'a envoyé 530 étoiles. Bonsoir, Koyaz Koya. Merci, Jocelyn Trinité. Merci, Dilaya. Bon, on a fait un bon live. Merci beaucoup, Kossi Salomon. On a terminé. Merci beaucoup, Véronique. On se donne rendez-vous là-bas avec Naparatu Kondona. Frère Foukoutu Kozonu Kwe. Igotu Kunaitachi. Ex-Bosha. Opposant Ludovic Ledo. Il te dit à Obi Mouna la quoi, ouais, ça me dit quoi? C'est quand je parle que vous prenez, que vous travaillez avec Mouna ta kota quoi. Voilà. Mouna la ngangou quoi, la quelle langue, pembi, quelle langue, tu m'as trompé. Dolo, quel est le guichetier? Anissé guichetier, Georges guichetier. T'as un bisou? Azout moni, à l'angouane. Michaela, quelle langue, tu es bien. Ah, tu es en retard, on a trop dosé, mais c'est pas grave, tu vas reprendre au début là-bas. Ria, ya, ria, ya, ria, 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 ria. T'as envoyé des étoiles, on s'aime, non. J'ai pas vu pour toi, on s'aime, Doclé, tu es sûr? Depuis quand t'as envoyé des étoiles, t'es sûr, peut-être que tu as envoyé, mais ça n'a pas marché, hein? Je veux vérifier. Commentaire avec étoiles, je vérifie. Dora 530, Michaela, on ne peut plus compter parce qu'elle là, pardon, elle c'est trop. Il y a Tourbillon, Abdelaziz, ce n'est que normal, Oli Salomon. Il envoyait avant, il voulait freiner, Mambo Komakako. J'ai dit, tu reviens ici, attention, mon compose un peu. Non, il n'y a pas en scène. Ah non. Bon, du coup, ma fia, Tokani en scène, bon d'appel. Tu peux renvoyer. Il conseille Gio, t'as dit Tokani, mais il bâtit avec Michaela. Et réessaye. Tu peux envoyer aussi après, mais du coup, bien, lui, c'est pas dans la team ici. So, yeah. Ah, 3h, tu lèves, live en direct. Ta baba, toi, déjà, il boutaille quoi, ni gangou, baba. C'est Tina, toi aussi? Oh, vous êtes sûr, là? Je crois, c'est Tina, je pense, hein. Attends, je revois la liste. Commentaire avec étoile.
à tout cas, toi la personne, quand ça a goûté, vérifie toi, a goûté, bah la cara bien, quand ça ira vous visiter, hein. Mikaela, 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 le tourbillon, Marie Poto, Abdelaziz, Abdelaziz Kossi, ma. Non, c'est les China et Anselme, il y a eu échec. Parce que les étoiles, il faut d'abord les acheter avant. Il faut d'abord recharger le panier, comme je vous le dis souvent. Et c'est après que vous pouvez les distribuer. Mais il n'y a pas de souci. Même si le live termine, vous pourrez toujours acheter et envoyer après. Il n'y a aucun souci. Et puis, on est toujours là. Donc, je ne pense pas faire un second live cette semaine. Parce qu'avec Mikaela, on voulait nettoyer, essorer, laver Dolo Guélé par rapport à ces conneries. Mais Chega a déjà fait hier. Et puis, Nico aussi a fait ça proprement. Donc, Ichi, Betch Live Up. Quand des gens ont déjà fait le boulot, pourquoi sortir encore? Pour faire quoi? On ne cherche pas vue, on ne cherche pas quoi que ce soit. Ça mousse tout seul. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Parce que samedi, le président va nous rencontrer. Voilà. Donc, il va président, il va nous rencontrer. Alors que Kenayachi Yanda, et Miga, on fera maintenant un live pour le compte rendu. À la bonne fin. Sans révélation. Il faut me raccrocher, je vais télécharger. Je vais te dire que je signaler quand je suis Gengberg, quand je suis dans le Babambi. Si le guichetier appelle le Marc pour dire que la fille là, tu l'effaces, tu coupes, sinon je la. On a du cuillère, ouais. Donc voilà. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et puis que Dieu vous bénisse. Et puis ceux qui vont manger ou qui ont déjà mangé, ben, bon appétit ou bonne digestion. En tout cas, le boulot était propre. Ouverture de match, Mikaela Kindon. Conclusion, noir la rose, noir la rose. Athénée, il faut lui devenir la mani, ni flora, ma batala, ni flora, ma batala. Tu n'as mon lasso à Woundia, ouais. Maman, non, on force pas. Maman, Christelle, c'est Dieu donné, ça vient seul. Bonne soirée, et puis, ben, portez-vous bien, et que Dieu nous garde, et à samedi, pour rencontrer le père de la nation. Merci beaucoup. C'est Tina, à samedi, bisous. Bye, que Dieu vous bénisse encore la famille. C'était le live de la gloire.